Est-ce Alors, Clara donc, Morgan? il manque Clara Morgan, évidemment. Bon, vous n'aurez pas la ref, c'est une petite blague de Manu. Alors, aujourd'hui, on va tester un petit peu un nouveau concept qui peut-être sera récurrent, on verra bien. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite émission entre nous. Donc, là, vous voyez, on a trois caméras maintenant qui s'affichent. Donc, il y a en dessous de moi, monsieur Anthony. Anthony qui est connu pour réagir beaucoup sur ses publications de jeux vidéo, autant Renault Gaming Crew que sur notre page. Hein. Il a bien donné son avis. Toujours là. Très passionné et très franc dans ses pensées sur les jeux vidéo. Merci Manu, bonjour à toi. Merci. Anthony, plutôt. Anthony, pardon, je m'aille. Au moins déjà là. Je m'aille déjà, Il n'y a voilà. pas de souci. Et Merci pour l'invitation. de rien, Nadja Darkris sur le chat, comment elle est Darkris. Et l'ami Manu, il a fini de vu son figure, si bonne mine nature, elle y poste si souvent sur la chaîne secondaire Nakama Renault Gaming Crew, il a aussi ses propres pages, il me semble ses jeux vidéo actu, un truc comme ça, non? Ou un autre Le nom? site internet, toi. Jeux vidéo actu. Donc voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas de sujet précis en fait, nous parlons de l'actu vidéo. Tout ça, c'est cool, donc c'est pour ça que. Ça parle un peu de ce que l'arrivée ces temps-ci là. Donc il y a les conférences, il y a eu des sujets. Donc nous sommes sur le premier sujet. Donc il peut aller dans tous les sens à n'importe quel moment. Nous allons commencer avec ben, GTA 6 hein, du coup. Hein. Donc oui, la grosse fuite de GTA 6, hein, donc la fuite du un bout de code, beaucoup de vidéos de rush qui apparemment qui dataient de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de gens ont eu la même réaction. Ouais, GTA 6, là, il est vilain. Donc, faut pas oublier que c'est un jeu en développement. Donc, on a eu un gros débat là-dessus. M'avait vu sur la presse qu'apparemment, le hacker était ça, a fait un peu du chantage, était ça, vendre le code source. Mais il n'en est rien, sachant que GTA 6 l'avait répondu officiellement qu'il n'avait aucun souci pour Zot. Ben, elle est extrêmement déçue que toutes ces fuites-là, mais le jeu continue à développer comme d'habitude, n'a aucun problème avec le code source. Donc, ben, on va commencer à prendre un petit peu les avis. Hein, et on va voir un petit peu ce qu'Anthony. Qui commence Anthony et Manu? À C'est moi, la midi, les. tranche. Ben, voyons, Tony. Monsieur, vous pouvez commencer, tu veux? On va y aller. Voilà. On Oui, a dit bon. comment? Alors, que ça pensait un peu de la fuite de ce qu'on a à dire dessus, quoi. Ben, déjà, en vrai, c'est sûrement, comme tu dis, la plus grosse suite qu'on a eue. Bah, Vu historiquement, oui. que c'est 90 vidéos, quoi, donc on avait vraiment de quoi spoiler un peu le développement du jeu. Mais comme ça, tu tiens dans toutes les presses, etc., c'est un des commentaires tourné sur les old-gen. Donc, les faciles de regarder, dire, oh, les vilains, oh, c'est sûr, ça vous, mais bon, il fait combien de temps que Rockstar n'a pas de nouvelles du jeu de lui-même, quoi, donc, GTA 5 l'avait sorti sur PS3, donc il fait quand c'est même beaucoup ça. d'années. Et mais à dans les déjà dans les rushs que la sortie là, dans les rushs, dans les fuites que la sortie. La nouvelle à l'écran, il y a au moins une scène de braquage dans un fast-food avec le perso féminin. Mais à déjà c'est cool, là, penser des rushs que vous l'avez vu là, même si c'est des rushs qui datent. Ben, en fait, justement, c'est ça, en fait. On n'y fait pas vraiment attention, en fin de compte. On essaie de regarder un peu plus, ben, juste regarder un peu, ben, l'univers dans quel lieu à peu près il serait, etc. Mais sinon, ça, je veux dire, on a plein de vidéos, en fin de compte, où on voit que c'est des phases de test, en fait. Donc, on peut vraiment pas juger. Et d'ailleurs, on a les développeurs du studio de contrôle. C'est comme ça, c'est comme le jeu. Regarde ton film là. Ouais, m'avait joué à ça, elle est un peu en mode mindfuck aussi, le scénario, et durant Ça des m'a. bâtiments et la mode Ben bâche. justement, ça aussi, ça l'a partagé exprès là, pour entre guillemets soutenir Rockstar là. Ça vient de partager une séquence, c'était comment, c'est sur le screen Ouais. du jeu en fait, quand on était en phase test. Tu vois, il est pareil en fait, c'est. Ah, pour montrer du coup qu'il faut pas baser sur bonne. Non, il faut vraiment pas baser, c'est rien, pas plus dire. En vrai, moi-même, qui n'ai pas besoin, hein, mais moi, les rushs que m'a vu, il y a beaucoup de gens, ils étaient en mode de choqué déjà sur les graphismes et tout. Mais à moi, en fait, c'est pas que m'était hypé, mais il est en mode, ouais, ok, il est content de voir. Bon, même si malheureusement, elle a été fait de manière frauduleuse, mais il est quand même content d'avoir quelques infos de GTA 6, voir un peu comment il est. Là, nous voilà le temps des boîtes de nuit, donc ils viennent faire un braquage. Et il me dit en mode que si ça c'est en 2019 et que là, nous l'en 2022. Mais que le jeu normalement c'est 2023-2024 la sortie, ben on aura quand même le temps de faire autre chose, ouais, on aura quand même le temps de bien développer. Et moi tout ce que m'y veut en fait, tout ce que m'espère, c'est que si GTA V l'a fait de la PS3, PS4 et PS5,
Moi, je m'attendais à moi, parce que j'étais à 6, quand Lee arrive, que Lee creuse un fossé quand même avec GTA 5. Pas forcément, enfin, tout le monde attend au niveau graphisme, parce que forcément, ce sera minimum de la next gen, mais au niveau du contenu, je m'attendais à moi à ce que on a beaucoup plus de liberté que le 5 déjà. Et après, ça, c'est un fantasme, mais c'est parce qu'on a beaucoup de gens aussi avec les mods, des fois, ben, ils essayent de faire des choses que n'a pas dans GTA 5. Moi, je kifferais si Banette y ajoute un mode en réalité virtuelle. Parce que moi, là, finalement, je joue à GTA 5 avec un mode VR. Et du coup, il est dans le jeu. Et je kiffe comme moi, du coup. Donc, je m'explique, voilà, mettre ça dessus. Après, pour tout ce qui est mode online, le mode DAP, tout ça, évidemment, on a plein. Chacun a ses attentes avec GTA, quoi. Mais moi, en tout cas, m'y reste confiant, en tout cas. Malgré les leaks, hein, m'y reste confiant. M'y connais que Mais en Rockstar. fait, Les gars, en vrai, Rockstar, depuis GTA 3, on m'a commencé vraiment kiffer depuis GTA 3. Depuis GTA 3 jusqu'à là, à chaque fois, il y a monté un trailer, elle fait pète la tête. M'a jamais été déçu, vraiment, avec Rockstar. Donc, m'y reste confiant, moi, en tout cas, et pense sera bon. Donc, voilà. ben, moi, si je me voudrais dire un truc, c'est mais trouve les dommages que l'a fait ça. Moi, mais pas pour, hein. Vous voulez pas pour quoi? Donc, il n'est pas pour les leaks. Ok. Donc, il aurait préféré découvrir le jeu autrement. Et en suivant l'actualité, ben, sur Twitter, tout ça, on voit qu'il y en a beaucoup, ils sortent à haut le truc. Ouais, mais fallait sortir plus tôt. Mais à quel moment, enfin, moi, je ne connais pas, mais moi, personnellement, il me dit à quel moment il y a des actions chez Rockstar, en fin de compte, de décider que Rockstar, ouais, c'est un zot de développe. Parce que, admettons, on avait sorti le truc, allez, 3 ans, 4 ans après GTA V. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Ouais, le Attends. graphiste est dégueulasse, Ben c'est un oui. GTA Ben V bis, oui. si, patata. Donc là, les gars, ben, là, prends le temps, là, bosser, là, les vrais que 10 ans, les longs, sont moins. À un moment, à moi, ils deviennent nets. GTA 3, GTA 5 a sorti. Alors imagine, je dis net 10 ans. Donc les vrais que les longs, oui, pour un joueur, il fait long vraiment, mais dis pas le contraire. Mais de là à dire comme si, enfin la manière les gars causent, c'est comme si, ben Rockstar l'obligeait, ben non, c'est un studio, faut laisser autre travail, c'est déjà là, mais imagine même pas bon développeur dans l'état actuel en fin de compte, toi, d'avoir balancé ça comme ça. Et le pire c'est que derrière, ben ouais, le graphisme est dégueulasse. Mais t'es, ben les gars, ben, faut les logiques à un moment donné. C'était à un moment, mais demande où ça la logique, bon joueur, il est en fait. C'est Mais pas moi. après, moi, on a un truc aussi, il faut dire, c'est que GTA, enfin, la franchise GTA, pour moi, c'est pas la même catégorie que tous les autres jeux. GTA, il fait quand même un jeu plus que culte, parce que c'est un truc quand. Mais rappelle à moi, quand GTA 5 l'a sorti, mais gars, au niveau mondial, l'effervescence qu'il produit et la map est tellement légique, parce que là, c'est ouais, c'est toujours en mode IRL, en fait, toujours dans la ville ou partout. Donc, c'est quand même un travail très conséquent. Donc, pour moi, il est normal qu'il barre dans les. Il prend 10 ans. Si vous faites un truc, si vous voulez faire un truc qui fait pas GTA 5, pour moi, il est normal de faire un truc qui prend beaucoup d'années. Exactement comme nous, d'Anthony, en plus, c'est pareil, nous donner les fans des Final Fantasy. Là, nous, les C'est à fond ça. sur le remake d'FF7. Et nous comprend que pour Déjà, qu'il plus de temps. fait. Voilà, pour faire un truc de ouf, ben, C'est il est ça. comment? Il est comment maintenant? Il faut prendre des années, il Et le faut qu'il. bazar, bon jeu triple A, c'est entre 5-7 ans, quoi, donc 10 ans, c'est pas non plus Ouais. un gros fossé, quoi, par rapport à un triple A d'habitude, quoi. Donc, il est normal. En plus, ça, maintenant, voilà, que, par exemple, Red Dead Redemption 2, là, l'a été fait sur ben, le moteur Rockstar, là, mais c'était sur la version 8. Ouais. Et GTA 5, c'était même pas sur la version 8, c'était la version A. Et là, pour ça, là, pour le GTA 6, c'est la version 9. Donc, pourquoi ça s'est inquiété d'un des leaks comme ça, de Alpha, Beta, je ne sais pas quoi, loin là-bas, date de 2019, 2018. Ce sera le loin de ça, en fait, moi, je suis sûr que ça va être ça. Mais en plus, ce qu'on a entendu, c'est que depuis que Rockstar, au début, là, on avait une catégorie, comment on était passe, où tu vois que, ouais, les moches, c'est moche, tout ça, là. Que la palette ouf. Depuis que Rockstar l'a annoncé officiellement que l'île est déçue, mais que n'a aucun souci sur le fait que ben, le code soit ça va, elle n'a pas été attaqué, rien. N'a plein de monde m'avions commenté, elle a dit, ah ben en fin de compte, c'était un coup de pub. Mais t'as de monde a dit ça, les gars, elle a dit en fin de compte, ben non, Oui. ben en fin de compte, comme j'étais assez un truc énorme niveau com, ben peut-être ben on a fait spray, genre on fait croire qu'on est un truc pas Imagine, zot. imagine quelque part, il serait encore plus logique. Ouais, parce que franchement, il fait combien de temps que nous avons une nouvelle GTA là?
Ben, écoute, un petit bout de affaires comme ça là et tout là, et même si les bots qui ont écrit dessus, c'est un vilain, etc. et tout là, vous pouvez être sûr que c'est ceux même premiers, attendez, Ou pensez c'est possible ceux que même premiers pour acheter. ou pense que le possible qu'il peut être vraiment un gros Ben, scénario monté? bon, ben, c'est pas. Non, Bon, moi, ben. je ne pense pas aussi, parce que vu qu'Hubert a la maille dedans, il faut signaler que Hubert, c'est le. C'est ça de la FEA qui est justement juste Ouais. avant Rockstar. Donc. Donc, je ne pense pas que. Parle de Uber Eats, hein, pas de Uber S. Je précise ce que dit Uber. Ben là, la FIAC, Hubert. je crois que c'était 3 jours avant, un truc comme ça. Ben la FIAC Ouais, les dans la autres. FIA, Kazot aussi, et du coup, Et. je pense pas que si c'était un gros coup de pub, j'en aurais mêlé tout ça dedans, en fait. Putain, mais n'empêche, le gars, il est quand même. Ben, comme Il à dit ça. Aliel, le petit qui va rien à 16 ans, hein, après. Mais le gars, franchement, après qu'on fait ça, il voit quand le matin ou réveillé le matin, que voit dans la presse, on y parle de ce qu'on a fait. Il est passé quel état d'esprit le gars Nena? Est-ce que le gars est en mode flip ou est-ce que le gars est en mode quinquette, Niger, Ah, ben Maïs, pas qu'un là, autre affaire? comme Mais, dit. en façon, il se passe deux trains en général quand dans les hackers que la marque attend dans l'histoire, il se passe deux trains. Soit Banal est arrêté, ou soit il propose Banal de boss en tant que dans la cybersécurité et du coup de. On a déjà arrivé ça. Donc, Naomi qui passe sur quoi son destin? Mais il fait peur du coup. Des fois qu'on. Bah là, il protège bien. Depuis le nombre d'années, il n'avait jamais eu de fuite. Comme on dit, en 10 ans. Là, le gars lâche tout ça là, il fait quand même peur. Et là, on est en train de casser tête pour rentrer un petit mot de passe pour pas y hack. Il jure. Il jure. Rwanda Les au gars, ils compte. rentrent dans le Rockstar, frère, ils fous. Rwanda au compte, ça qu'on fait ça rien en fait, quoi, toi, si le gars vient C'est faire ça. une attaque. Voilà. Et Alors, est-ce que nous reste toujours le sujet TA6, quoi, un truc à dire, ou est-ce que nous changeons un peu de sujet? Parce qu'il y on avait peut quand changer. même. Il y avait quand même beaucoup de choses. Alors, bah, il me semble dans les sujets, il avait parlé de jeux dans les conférences. Alors, Interplay. dans la main, jeu, nous bat dessus. Nous commence à causer. Est-ce Alors, que nous c'était un bat. peu play dans. Nous play attaque directement. Ça, il est bon pour Anthony, ça, Tekken. Alors, moi, c'est Ah, Tekken 8. Tekken 8. Ah là, Franchement, c'était la alors. surprise pour Après, moi, Tekken 8 ça. n'a pas eu grand-chose, hein, à part Non, un mais gros trailer. Tekken 8, il a ouvre le bal. Il C'est a ouvre ça. le bal sur cette off-play. Et bien, avoue, l'a fait pète montagne, gars. Parce qu'au début, t'es quoi, c'est cinématique. Et en fait, non, c'est du Ouais. gameplay réel, en fait. Ben, à un moment, elle a douté. Jusqu'à là, pareil, il me doutait encore parce que me disait, ben, pour moi, est-ce que On là, dirait il faut quoi, on c'est sent comme que si ça va là, il exp... vraiment se rapprocher de ça, en On fait. dirait un C'est comme mélange, si là, non? c'est comme si là, il exploite vrai. Il commence à exploiter la next gen, comme il dirait en fin de compte, hein. Mais pense à un mélange des deux, peut-être, non? Après, Oh, c'est en un vrai, mélange. Ici, le au truc, début, il y c'est en que a quand on deux. entend. Ah, voyons. C'était quoi, Anthony, ou c'était moi, je me rappelle plus. Vas-y. Moi, En vrai, au début, la vidéo, ils en fin de compte que c'est un mélange, en fait. Et ben, ouais, parce que. qu'en fin de compte, quand on entend le get lui dit, on entend, ouais, les deux, ils commencent bataille, mais pour vous, c'est le jeu, en fait, parce qu'il avait le système de combat, en fin de compte. Après, on dirait les normes cinématiques, les mélanger dedans, mais. Après, Quand je pense qu'une les. bonne histoire sera comme ça, hein. Mais après, Ce qui serait pas mal. ouais, surtout qu'en plus, là, franchement, là, nous voir vraiment la démarcation. Les vrais en Street Fighter 4 et Street Fighter 5, par exemple, bon, on avait quand même une différence, mais où tu vois quand même, c'était juste un. Les un peu mieux graphiquement. Mais là, frère, Street Fighter 5, Street Fighter 6, on voit la différence entre les deux. Et Tekken 7 et Tekken 8, gars, en fait, tout bon jeu combat, là, tu prends un mode Next Gen là. Et là, pourtant, même il est fan de la licence King of Fighter, ben là, pour moi, il trouve que comme il voit ça, Koff, il est à la ramasse du coup maintenant, parce que comme il voit comment Tekken y Ah, bat et comment Street 6 y va, comment les choses. Là, on a même vraiment compte que là, nous passe un cap vraiment. Ami Spec King of Fighters, c'est pareil quoi, que ça fait comme Tekken Street Fighter, que ça met ça. En plus, dans Tekken, gars, la saga, enfin la saga, l'histoire de Mishima, c'est un truc qui est vraiment bien écrit. Et du coup, le petit combat, bon, après, le truc sous la main dans Tekken, c'est que des fois, là, on est un peu redondant. Bon, on m'y pense pas me ça spoiler, mais on a plein de fois, dans ces deux-là, je joue un peu tous les Tekken. On a plein de fois d'aller la famille Mishima, ben là, il fait péter un mood, et après, il jette dans le volcan. C'est toujours la même affaire. On croit les morts, il est pas mort. On croit les morts, il est pas mort. C'est toujours la Chacun même son tour, fait une côte. Chacun son tour, piquer la tête de la fournaise. C'est le seul train qui trouve les dommages. Et en plus, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a regardé Tekken Bloodline sur Netflix, mais quand il passe, il a la vue. Alors, elle est assez bien respectée, comme elle parle de Julien, par exemple, en Jean et Hachi. Mais gars, m'était déçu qu'il n'avait que 6 épisodes, parce que du coup, bah, elle est tellement rushée qu'ils ne mettent pas en lumière les autres personnages. Les queues sont entrées sur Jean Jean, en fait, et ouais. Hachi. Kazuya, très peu. Et il aurait dû faire ça en 12 épisodes. Bon, les dommages. Mais bon, c'est déjà un début, on va dire. Mais en tout cas, ouais, le Tekken, franchement, l'âme pense Tekken 8 et Street Fighter 6.
ces deux jeux, mais pour c'est la même bande de moules, ma vie, il a écrit, hein. Ouais, mais il est pas trop fan de Tekken, il est pas trop fan de Street Fighter, mais comme il voit les trades, il a envie de tester. Là, maintenant, il faut qu'on fasse pareil, après, les bons. Moi, ça, mais par exemple, Tekken, là, justement, c'est un exemple à prendre avec un Origin 5. C'est un peu comme moi, t'es pour ça, quoi, on a 2 ans de ça. C'est qu'au-delà même, c'est des textures, etc., et tout, c'est les personnages, là. Ouais. Au-delà de ça, en fait, c'est l'ambiance de l'environnement. Tout ce qui est effet, météo, blablabla, etc. et tout là. Ouais. Ben, c'est ça vraiment qui change beaucoup. Et il rajoute coup, vraiment quelque chose, quoi. Il rend une espèce d'immersion comme quoi elle est plus réelle, en fait. Pense. C'est ça, c'est ça. Au-delà même de texture, c'est en fait. Mais qu'est-ce que c'est ça, tu vois, regarde sur le pecto Kazuya, quand il voit la pluie, il graine dessus, la bonne saleté, la bonne petit détail dessus, ça te regarde bien. Il est bien rentré, en fait. Hein. Et ben, rien à dire que ça, c'est en temps réel. C'est oui. Pas pour simuler, c'est genre c'est. Ouais, mais je pense qu'on a quand même, je sais pas souvent, mais dans le combat, on a quand même des phases aller un peu cinématiques, mais c'est pas les techniques. Oui. Donc, je pense que là, elle est un peu mélangée, mais je pense qu'on a vraiment des phases de gameplay, elle est comme ça. Et franchement, elle est terrible. Après, je pense que. Est-ce que là, avait été dit que c'était exclu? Ouais, elle a pas écrit PS4 déjà. Oui, non, elle est pas exclue. Elle est pas exclue PS5. Non, mais veux dire, les exclu Next Gen, ça aura Xbox, PC. Ah oui, non, on n'aura pas Xbox One, PS4 et tout. Ça sera pas. Mais on aura PS5, série et PC. On n'aura pas sur la Switch, hein, pour avoir. Sur la Switch. Mais d'ailleurs, pareil, la Switch, bon, après, il a son public, Nintendo a son public un peu familial, tout ça. Mais franchement, quand on voit le jeu Next Gen là, le fossé commence à creuser entre Nintendo, ce qu'il fait, et ce que nous voilà. Bon, alors, est-ce qu'on a encore sur Tekken ou est-ce qu'on part un petit peu sur un autre petit jeu que de State of Play, qui, à moi, je pense pas le seul à la main, c'était Rise of Ronin. Ouais, Rise of Ronin. Ça, c'était un très bon... Moi, en vrai, quand on m'a vu ça, m'avait peur que il était un peu dans le même style que Ghost of Tsushima. Et en vrai, m'avait peur, en fait, quand on m'a vu le début, mais en vrai... rien à voir et il donne envie de ouf. Bah après ne crois pas donc t'es à moi pour moi là-dessus si mi base à moi sur la démo m'a testé Wolong parce que c'est le même studio hein, donc c'est Team Ninja, ça les derrière le studio New en fin de compte. Et non là le mécanisme c'est pas pareil en termes de combat les différents de Ghost of Tsushima, mais même avec New les différents m'a trouvé en termes d'esquive, tout le même truc comme ça. Maintenant, on parle par rapport au long, hein, Rise of Ronin, on ne connaît pas du tout. Donc, mais ça ne connaît pas. Ça ne connaît pas si c'est un jeu style comme les Dark. C'est pas un jeu comme les Souls, ça. C'est un jeu comme ça. Ah ben si, les violents, frère. Ça. Oui, les pieds qu'elles sont. Oui, nous voilà dans la violence, mais dans le gameplay, dans la difficulté. Non, mais pas dans la difficulté même, là. Les violents, à un moment donné, le sang, il vole tout. En termes de difficulté, Team Ninja, m'en a fait moins de jeux difficiles, faut accrocher à eux, donc... En vrai, c'est depuis Elden Ring, la sortie, tout ce qui est jeu un peu difficile à la Soula, là, commence à gagner un regain de... un petit mode, quoi. Tout ce qui est jeu gacha et tout ce qui est jeu à la Soula, c'est les deux trucs qui trouvent à la mode en ce moment. Hein. Avant, c'était les Battle Royale, maintenant, c'est ça. Hein. Mais quand t'as joué 100 fois Elden Ring. Non, après, le bel est bien mon jeu comme moi, parce que voilà, on a la difficulté, mais en termes de difficulté, Elden Ring n'a rien à voir pour moi à côté. Alors, les gens que, là, un peu comme moi, moi, m'a pas joué à tous les Souls. Ils trouvaient Elden Ring les chouettes, mais toutes les personnes que là jouaient vraiment, tous les vieux Dark Souls, Sekiro, tout ça, ben là, ils disaient, ouais, Elden Ring est facile. En fait, quand largement, frère. Largement, c'est que mon jeu là. Il y a rate pas mal de confs, il s'est rattrapé, mais Dieu. Ah, bah, on a pu regarder dans loin. Déjà, TGS. TGS, là, ça. Eh, mais le pire, c'est que moi, j'ai regardé mon TGS, parce que, comme tout bon fan de Final Fantasy. Il y a TGS de ma vie. Bon, attends. Avant de faire la transition, mais là, c'est notre finition Ronin avant. Après, vu comment on se voit. Ouais. Non, ben, Ronin. Il peut être bon, ça a été un bon jeu pour moi. S'il continue dans la lignée Wolong, Nio. Bon, après, il faudrait que j'aille changer un cousin de moteur. Je joue à Team Ninja, parce que là, il est mal. C'est ça. Ce que Mitsa a dit aussi, c'est le même truc en fait. C'est le même, c'est le même principe, même mécanisme, tout ça en fin de compte. Parce que Rise of Ronin, là, quand il regarde. En fait, encore une fois, parce que il pense que ce sera exclu de Next Gen, ça. Ouais, bah... normalement, oui. En plus, c'est que je passe les chaînes. Comme il voit le jeu, en fin de compte, au début déjà, comme on avait vu Wolong la première fois, le premier trailer,
Il me dit quoi, c'est ça reste pour lui? Il me dit, ben, elle n'est pas trop ça. Donc, il n'a pas joué la démo de Wulong. Ben, il trouve quand même Rise of Ronin plus joli, mais c'est pas forcément au niveau des textures. Encore une fois, c'est comme des games. C'est l'ambiance, c'est tous les effets et tout à côté, en fin de compte. Et ben, tard, en fait. Et il commence à confirmer tout ça, mais il sait que la next-gen, là, ce sera pas tant au niveau réalisme, on va dire, sur les textures, etc. Il dépend des jeux, il dépend des jeux. Ce sera tous les faits, ce sera tous les faits. Les conseils, ça permet de pouvoir condenser tout ça, en fait. C'est pas un jeu où on aura, oh, on a une jolie météo, le jeu, oh, le joli personnage et tout le monde, elle est plus condensée. Mais encore une fois, le moteur est vieilli. Il vieillit vraiment ce moteur Team Ninja. Mais après, moi, Mires, après, c'est ce que l'avait dit quand la PS5 vient de sortir. Et quand il s'est sorti, elle a bien dit, oh, les vrais jeux que va exploiter. Quand elle dit exploiter, mais penser, autant au niveau graphisme, autant au niveau jeu conséquent, dans le contenu, je sais pas, dans plein d'aspects. Elle a bien dit, les bons jeux que va exploiter la Next Gen seront 2023-2024. Là, pareil, le Rise of Ronin, il est écrit 2024, mais crois 2023, je me rappelle plus. 2024, normalement. Voilà, du coup, sera de cette période-là qu'il faudra avoir la PS5, je pense. Je ne connais pas si déjà. Mais déjà, Ouais, là, le en prochain, plus. tu peux pas rater, nous. Et déjà, en plus, là, m'a passé un tracé sur la page Facebook qui passait à la vue. Il avait l'article jeuxvideo.com. Et il était écrit est-ce que ce sera la fin de la pénurie? Et du coup, on a l'article dedans, il détaille un peu ce qu'il aura. Et il est toujours un peu en mode flou, en fait. Hein, où il ne connaît pas encore aussi. Voilà, quoi. Il dit fin 2022, il est possible que. Moi, je n'irai pas voir ça. La pédouille, il a fini. Ah, non, encore problème. Ah, si cela. Mais Kumalia, que bah, là, ça fait une autre version PS5 aussi, bientôt pour 2023. Donc, à mon avis, les packs à 1000 euros. Enfin, mais c'est peut-être pas à 1000 euros, mais les packs à 3 chiffres au-dessus de 500 euros, à mon avis, il n'aura toujours pour cette fin d'année. Et à mon avis, Miro dit le même truc que m'a écrit en commentaire sur la page, la même pas une de temps là, que à mon avis, peu importe le pack que va sortir de la PS5, peu importe le prix, ce que nous savons, on parle de la réunion évidemment, hein, peu importe ce que nous savons, le bon affaire, ça vend comme des petits pains, ça peut être sûr. Surtout pour Noël, l'esprit de Noël, l'achat, cadeau, tout ça, sûr aussi, attends. Alors, est-ce que nous avons encore tout pour Ronin ou est-ce que passe autre chose? Parce que là, faut pas citer GSN à votre coup, dis-moi. Allez, TGS, Alors, bah, TGS. TGS. Alors, TGS, c'était. Alors, même c'était sur le. C'était sur Square Enix. Alors, bon, en tant que fan. Mais le pire, c'est qu'il y en a bonne du monde, il dit à moi. Banal a même pas gardé parce que Banal t'es connu que. Banal t'es connu que cette pièce. Alors, Amki, puis c'est laquelle mienne? C'était vendredi, ça, non? Voilà, les écrits, C'était ça, ça non? la Ça même, ça, non? t'est Attends. des officiels, t'es en On ligne. avait deux gars en fin de compte, on avait deux Oui, gars c'est qui ça. causent. Et à moi, en tant que bon fan de FF, je me dis, bon, mais espère avoir un trailer de. Comment on appelle Pareil, ça? les deux gars, même des PNJ dans les affaires. Ouais, de Rebirth. Alors, la vue du Force pour Ken au début. Mais la fumée, c'est pas ça, les gars. C'est pas ça, ça. Ah, si, c'est ça, voilà. Me reconnaître à tel manga. Alors, au début, il avait parlé sur Force Spoken. Alors, Mickey, en fait, là, franchement, peut-être que ça devait être aiguille à moi. Mais il connaît pas si c'est la présentation. Parce qu'en fait, en général, comme Anna, il fait des. Ils montrent du nouveau gameplay. En général, il y a un trailer assez court de PlayStation ou de Square Enix. Ce qui fait que un trailer, en fin de compte, il est condensé. Et on voit plein d'images un peu dynamiques, donc il peut foutre à haut la hype. Mais là, c'était un grand gameplay, et c'était deux gars, en fait, deux japonais, qui, à mon avis, n'avaient jamais joué au jeu, et qu'à mon avis, c'est pas bon de mouler trop habitués au jeu. Et ouais, phase de gameplay, Expo Spoken, déjà. Et j'en ai un boss, mais je sais pas si, ouais, à un moment donné, il y aura un boss, et là, il arrive. Et genre, le gars, il spamme le pouvoir, comment? Il spamme tout, il fait qu'il tu sais, il spamme, comment? Et du coup, il était super ennuyant. On me dit pas si, ouais. Il était super ennuyant. Bon, ben, le gars, les hypés, hein, c'est pas japonais, ben, c'est en comptant. Hein. Attends, j'essaie de remettre un moment où ça banalise à faire. Et du coup, on a plein de monde ennuyé à ça devant. On a plein de monde à regarder ça en mode le nafé, il est long, il finit plus. Même pense que tous les gens l'a fait des. Même tous les gens connus qui l'a fait des lives dessus. Julien Schiste, compagnie, jeuxvideo.com, ça là. Toute la nous a fait que ouais, il est long, il emmerde un peu. Banal a fait ça là-dessus. Banal a rejoué à Crisis Core en Réunion. Et encore, on n'a rien de nouveau en fait, c'est Crisis Core, qui est en plus joli, c'est tout. Et pour revenir à Forspoken en fait, mais la baisse mon hype en fait. Les cons, hein, Ah, en vrai, pareil, même chose. en vrai, mais il connaît pas si le jeu il est bien ou pas. Il faudra m'y essayer, en vrai.
Mais c'est la manière. En fait, je sais pas si... mais il n'arrive pas à savoir si c'est le fait que Bana était joué, il était ennuyant en voir les autres manières de jouer. Peut-être que si un gars t'a joué bien et que tu enchaînes bonne combo, je sais pas moi. Peut-être que m'aurait plus kiffé, mais que pas. Mais à moi, je sais pas, elle a baissé un peu mon hype et. Là, quand il regarde ça, j'ai l'impression, wow, on a un grand monde ouvert et puis. Et vide. Ouais, mais après, encore une fois, est-ce que nous voit trompe-l'œil? Est-ce qu'en vrai, le jeu n'est pas comme ça et que là, parce que là, ben, là il joue un parti exprès. Ah, voilà, c'est cette partie-là. La bonne mon scellé, on ne sait pas si ça va d'instant. Et d'un test boss arrive, le gars, il se parmi, il se fini plus, quoi. Mais le gars, il est concentré aussi. En plus, c'est ça aussi, c'est qu'en moment qu'on fait une conférence, mais bien que tu aies un peu d'animation, et ouais, le bon deux gars, les bonnes, elle est concentrée, ben, elle cause pas. Ben, il cause pas du tout en fait. Ben, il est juste un dieu, il cause pas. Des fois, il dit Oh, Subarashi, j'ai des 36 ans, comme ça, c'est tout. Et du coup, Aoul les commandes vont. Et Aoul les Ouais, ok, mais je sais pas, d'un coup de plus. Donc, en vrai, on va tester Force Pokémon. Hein. Ok, pas ça, si on pense du jeu, est-ce que ça se trouve vraiment que fait vide? Voilà, la qualité est bizarre, la qualité n'est pas ouf. Qu'est-ce que pas ça, la qualité, les bons sur l'écran. Non, mais déjà le stream même du truc là, la qualité était dégueulasse. Et du coup, ben voilà, Square Enix, mais t'attends à moi, mieux, mais il y en a plein de monde là-dedans, ben là t'es connecté, ça peut être dangereux. Là, rien eu sur IBS. Là, rien eu en. Enfin, donc, de la con Square Enix, m'y rappelle pas moi, avoir fait un truc là et pas moi. Là, même eu un truc sur Star Ocean, donc ça m'a pas trop joué à Star Ocean, mais ça, Mais pas c'est la moi. démo ce matin. Et alors, que ce on pense, t'en penses Oh quoi? mon Dieu, m'a Ah bon? joué 20 minutes. Ils ont détruit la licence Star Ocean. Ça s'écrit Ils vendent différemment. Square Enix, ils mettent plus du tout l'argent dans la licence là, c'est Ah, mort. c'est ça, voilà. Ben, à moi, déjà, me pas, mais vois le héros déjà là, le petit gars blond là. Mais qui pas pourquoi, mais qui pas, c'est son physique, mais me trouve pas, il est pas chaud. Il Me trouve pas, ouais, bah, même pas si c'est la pensée, il est un peu vilain est déjà. Mais pas vilain dans le sens où il est vilain, mais bien. la manière il est modélisé en fin de compte. Et il fait banal en fait, il fait pas, ouais, c'est pas un PSO à part entière, me trouve. Et je sais pas, mais il est pas attiré par la Star Ocean. Comme on a vu le gameplay, pareil, il a pas ça, moi, si ouf que ça. Donc, ben, pas de Rebirth en plus pour nous. Le Crisis Core, on va peut-être jouer, si on a le temps. Mais voilà. Donc, Aoku, vous peut-être mieux la leçon de Star Ocean. Est-ce que c'est du jouer du tout à part. Est-ce que c'était du jouer du tout à part à tour? Est-ce que Non, non, c'était. non. En fait, là, j'ai jamais été du tout partout sans chaîne. Ok. Et en gros, le voyage du 1 jusqu'au 2, c'était un peu style dessin animé, entre guillemets. Ouais. Et là, j'ai voulu reprendre en 3D, en mode de, même manga toujours, mais en 3D. Et que pas sur Romain, là, mais c'est une espèce de plastique coupé. Et De quoi de plastique? oui, ça te. Le personnage 3D, si vous voulez. Ah Bon, on voit ouais. les personnages, ils ont une espèce de plastique, et on se prend une poupée en fin de compte. Ah même Les Pessolet. vrais japonais aiment ça, certains. Bonne Bah oui. japonaise, j'adore ça. Bah oui, et Donc, en plus le personnage là. Il fait penser à un plus Megalith, je pense à un Riku dans Kingdom Hearts, mais en moins bien fait en fait. Un gars grand ouais, c'est ça. cheveux, un gars grand cheveux, affaire. En tout cas, voilà. Moi, c'est ça, t'attends vraiment dans la TGS. Mais c'est Mais ça, c'est c'est. Square Enix, hein. Ouais. Square Enix dans tous les jeux. Moi, si c'est pas Final Fantasy là, ou Dragon Quest, comme disait un camarade, je tiens, j'injecte pas là le budget, Ça hein. va balayer. C'est mort. Et en plus, nous t'attendons aussi. En fait, nous t'attendons autant le Final Fantasy XVI. Que le Rebirth et nous l'a rien eu dedans. Non. Du coup, les dommages. Hein. Mais à ce qui paraît, FF16 s'est communiqué en octobre. Donc, on aura des nouvelles en C'est ça, octobre. moi aussi, j'ai pas vu ça ce matin. Ouf, déjà, on aura ça en octobre. Et en vrai, au niveau EAPG, en niveau EAPG, moi, le truc que hype par moi, parce que c'est un truc que ma part. En plus, m'avait déjà dit ça, Anthony, en plus, c'est le Suikoden Remaster. Donc, moi, Mikone, c'est une pépite ce jeu-là, pour tous les fans d'EAPG. Ah oui. Que moi personnellement, on n'a pas pu jouer comme t'es jeune. Et des On fois, on est entend ça, refait. oui. Ouais, gars, et tout le monde dit, mais, gars, c'est. Alors, les jeux comment? Les Suikoden, les Xenogears, les Wild Arms, la plein d'EAPG comment, Grandia, tout ça, que m'a pas pu jouer et que c'est des trucs cultes. Tout comme Chrono Cross, tout ça m'a joué. Et du coup, il est content parce que il pourra refaire le truc en. Pas qu'il dégoûte à moi, en fait, hein, le version normale, mais comme la version plus jolie déjà. Ma vie à vidéo comparaison. Où ça est monté à où la différence entre l'avant et après, il est légèrement plus joli vraiment. Donc ça, les sums, ça jouait. Ça me pourrait. Ouais, c'est sur Switch, ça, c'était pendant la conf Nintendo, ça, si je me dis pas de bêtises, non? Bah, Sur Squadden, il reste pas que c'est pas que je suis ça. tout, sur toutes les plateformes.
Il va vérifier, mais ils ont annoncé. Squadent, ils viennent annoncer pas trop longtemps ça, mais pas pendant. Ouais, tout ce qui est APG, voilà, tour par tour. En plus, les jeux comme ça, moi, le train m'avait kiffé à l'époque, c'était Breath of Fire 3. Avec kiff jeu-là, de PS4, Switch, ouf! Xbox One et Avec. PC aussi. Donc, ça a pas su l'année. Et ça a pas su le jeu. Bon, jeu comment ça va pas su PS5 ni Xbox? Ni série? Ben, n'aura pas de version optimisée, quoi. Mais donc, ça allait être On pourra dommage. jouer dessus, mais voilà. Mais tous les. Ah, voilà, ok. Ok. C'est tout Ben même voilà. suite. Niveau RPG, n'a que ça en fait là et pas maintenant. Après, me pas posé si dans le Nintendo. Bon, après, Ben, c'est. Octopath Traveler 2T. Octopath Traveler, si. Ça va, Ouais, mais. celle-là. Ça m'a pas fini le Celle-là, 1. oui. M'a pas encore fini le 1. Donc. Je connais pas trop si. Penser la suite directe, non? C'est une suite, mais enfin, ce sera une autre histoire, mais c'est ouais, la suite directe. Ça, pareil, hein, ça en fin de compte, depuis Octopath Traveler même l'avait lancé cette mode-là du 2D, 3D, un petit HD, peu 2D, HD, bon, il y a ça. 2D, HD, voilà, c'est banal, lance la mode-là. Donc, tu vois, on a plein de petits jeux RPG qui reprend ça. Et en plus, il passe super bien, ouais. Mais bon, ça, c'est pour essayer de ramener du monde qu'il a pas trop, qu'il a peu. Il rejette un peu Mais ça, pareil, moi, la ça fait plus cheville. d'expérience parce que nous comprenons ça. Vous comprenez ça? Ah, non, mais nous comprenons pas. Comprends pas. En gros, là, le jeu, le 2, lui sort sur Nintendo Switch, PS4, PS5 Ouais. et PC. Mais le 1 n'a pas sur PS4. Et le 1 n'en a sur Xbox et sur le Game Pass. Non, mais sur PC aussi, non? Les points sur PC, ça? Et sur PC aussi, sur PC aussi, oui. Donc, il ne comprend pas moi, comment ça fonctionne, comment ça fait un tir, etc. C'est les affaires. Peut-être fous les droits, C'est. fous. Je Là, en parlant. Bon, comme à deux, il peut sais aller pas. C'est dans plus tous les. japonais. Après, il peut aller dans tous les sens, un peu, cette émission-là. Donc, là, en fait, là, on vient de faire une beau transition sur les deals, l'activité. Bon, là, nous va peut-être en discuter, j'ai sur l'instant. Hein, mais un sujet aussi qu'il faut parler, c'est que, à propos de Call of Duty, donc, ça, le courant, hein, avec le rachat de Xbox, que l'a été confirmé maintenant, et eh ben, PlayStation n'est pas trop content. Parce que pour lui, les termes d'Xbox, c'est pas trop, il tient pas les trois à cœur parce qu'il a beaucoup investi avec Call of Duty. Et du coup, lui, il exige d'avoir Call of Duty à perpétuité tout le temps sur son ban de machine, ça là. Et du coup, nous assiste un peu dans la presse à un petit côté un peu, un peu ouin, comme il dit, maman qui peut pas patété. Et ce qui fait un peu rire, moi, en fait, parce que. PlayStation, il est connu justement, enfin Sony, il est connu pour. C'est pour moi, entre les trois, bon, la Nintendo aussi fait ça, où ça vraiment, son bon jeu, c'est son bon jeu, quoi. C'est non, c'est exclu PS, PlayStation, pas sur Xbox, rien. C'est le monde le plus connu qui fait ça. Et c'est le premier écrit, ouais, non, il faut absolument lier sur console, sur console. Après, quand nous compare les abonnements du Game Pass et ce que il a fait avec son PS Plus. Honnêtement, bon après, il y a peut-être de monde va dire, il y a peut-être des gens n'ont pas pu jouer au jeu d'avant de PlayStation, ils trouvent ça cool. Mais moi, quand même, comparé les deux, bon, pour avoir été, ben, il est en fait toujours un peu pro PlayStation, en fait, hein, un peu comme Manu. Ah, On t'es a en tout plein, cas, c'est qui, ouais? on me casse pour les culs, car moi, depuis, Milena m'a eu la PS1, PS2, PS3, PS4, et me donnera le PS5. Donc, c'est que Milena a écouté un peu pro PlayStation. Oui, La Xbox c'est m'a eu que la 360, c'est tout. ça. Le reste, m'a allé chez Bandai, Ben, en moi. affaire, ou sur PC. Qu'on a un PC, pourquoi? Alors, maman m'a toujours dit ça, mais un PC, pourquoi me s'acheter un Xbox en fin de compte, toi? Voilà. Bah oui, mais c'est ça, mais c'est exactement ça, gars. Quand les consoles viennent sur aussi, moi, je me dis, moi, il veut un PS5 et un Xbox Series X. Quand le Game Pass l'est arrivé et que nous on commence à aller sur le Game Pass, m'a plus trouvé l'intérêt d'acheter un Xbox. Parce que du coup, tout ce que l'on a sur le Game Pass, ben en vrai, c'est à peu près la même chose sur une Alors moi affaire. aujourd'hui, m'y voudrais rien, mais juste pour me mettre dans le salon, en fin de compte, le fait, parce que moi tout le monde m'entraînait pas dans le salon, et le fait de dire au moins une console dans le salon, le soir, c'est pas mal, quand tout le monde a fini de dormir, évidemment, monte en l'air, allume l'ordi, Ouais, allume au le moins on a le petit contrôle. console la même. Hein. Voilà, j'ai une petite console pour dire où jouer, en fin de Voilà. compte. Et PlayStation, justement, il est connu, il fait sort de bons jeux. Des fois, ben, par exemple, alors, je sais pas si c'est pour Last of Us ou un autre jeu, mais par exemple, il y a un jeu, des fois, à la fin de sortie, il y a une version genre plus, il sort, par exemple, pour avoir accès sur PS5, mais des fois, il fait repayer le jeu. Ou soit des fois, la bonne petite transaction, des fois, qu'il fait comme ça, ou ça les refait payer en plus. Et qu'on compare Xbox avec PlayStation.
Il est vrai qu'on met beaucoup plus de thunes qu'on jouait chez PlayStation. Bon, après, il est vrai que Nadomun va dire qu'il n'est pas pareil niveau production. Après, pour moi, je pense que c'est vrai. Hein. Les jeux la plus marque à moi, les jeux triple A la plus marque à moi, c'est des jeux PlayStation. En vrai. Donc, peut-être ça coince aussi, mais quelque part. Mais où sent quand même cette envie de. Voilà, il faut vraiment taxer un peu plus les gens et il fatigue un peu des fois. Surtout que des fois, il me voit les offres et il n'a pas l'air si ouf que ça. Donc, Miko, il n'est pas trop ce que toi, tu en penses le petit guéguerre que Sony fait avec Microsoft. Est-ce que ça donne un petit mot là-dessus? Ça donne pas qu'il Mais en fait, moi, il fait rire, moi, en fait, parce que c'est le gars. Quand on avait le crossplay, on a plein de trucs, mais rappelle, il a toujours dit non, il n'est pas trop pour. Xbox a toujours été en mode, oui, le confort du joueur, allez-y, fais péter, crossplay, oui. ça là. Donc, il fait un peu rire, moi, que là, maintenant que Xbox il gagne, avance un petit peu, que il essaie de Moi casser ça, quoi. aussi, vraiment, non, moi dans le message, on a dit mais pro était, ben non, m'a toujours été contre ça. Moi, c'est pour moi, me dit tous les jeux. Il doit sortir sur les deux plateformes. Et voilà, chacun après choisit son console au niveau. Que pas moi, conseil player le plus. L'interface, la puissance, la qualité graphique. Que pas moi, un disque dur là-dedans. Mais au moins, Ouais, les mais deux jeux. après dans l'histoire de Oui. fric, dans l'histoire de fric aussi, ouais, parce Oui, tout ça, c'est histoire d'argent pour maintenant. Mais pas là pour nous, maintenant. ouais. Ouais, pour moi, les jeux, ils sortent sur Xbox, sortent sur PlayStation. Non, chacun y a acheté son. Quand on voit tous les jours où on me rouvre Twitter, tous les jours où les gars ont fait la guerre, ouais, si, ouais, ça, Bah c'était oui, inutile. parce que moi même la midi mille pro PlayStation, il veut pas dire que je joue que à du PlayStation, hein. À moi en vrai, mais je vais jouer C'est ça, Switch, bah jouer vas-y, Switch, Xbox, bah mina PC, toutes, à bah jouer tout, voilà, hein. bah c'est ça, on a toutes, nous. Enfin moi dans mon mentalité mina toutes, mais jouer toutes, moi. La pointe sur PlayStation, bah mais jouer sur PC, la pointe sur Bah PC, mais oui, jouer sur Switch, bah voilà, oui, c'est ça. c'est. Parce que moi, par Après exemple. peut-être c'est ça, pour moi c'est le fait peut-être de monde, après voilà, chacun a ses moyens comme il dit, le fait de monde ne peut pas avoir peut-être toutes les consoles, donc vous avez choisi N, et du coup voilà, vous êtes rentré dans un petit guéguerre après en fait, tu Bah vois ouais, ce parce que. que moi, en vrai, je trouve qu'il y en a de tout, en fait. Regarde, il y en a bon jeu, que je ne trouve que sur la Switch. Par exemple, bon, on parle d'instant, on en a, par exemple, Zelda, la suite de Breath of the Wild qui arrive, il y a bon jeu typiquement Nintendo que vous ne trouvez que chez eux. Donc, logiquement, que ou bah, chez Banana, parce que vous ne trouvez pas ça ailleurs. C'est ça. N'a des jeux PlayStation que vous trouvez que chez Banana. Ben Et c'est ça. Xbox, c'est pas vraiment les exclus qui râlent à moi, mais c'est le système qui plaît à moi. C'est le fait d'avoir un espèce de catalogue Netflix qu'on paye vraiment pas cher, qu'on accède à plein. En vrai, moi, il y avait bon jeu de coop, bon jeu multi. Et on a plein de jeux en coop que moi, puis fait avec Zot ou avec Dotemu, grâce au Game Pass très facilement. Donc, moi, je trouve toujours un point positif dans chaque support. Après. Le secteur du jeu vidéo, comme je dis, maintenant c'est plus le même business. Avant, écoutez, fais un jeu, ben voilà, et tu sors tous les mois un jeu, t'es pas trop à fait. Maintenant, qu'au gars, regarde, là, même le Call of Duty ou les autres jeux, on a quand même une grosse production cinématographique derrière, c'est des années de taf, comme le GTA 6 que tu parles là. Donc forcément, ben faut rentabiliser tout ça là, et les jeux, il est un peu plus cher, il s'est taxé un peu, ça gagne. En attendant qu'un jeu sorte, ben, il fait 2-3 tirs au master pour gagner un peu la monnaie. Là, tu vas affaire quoi. Après tout ça, ouais. Ouais, c'est une grosse histoire de sous, hein, entre Microsoft, Xbox et Sony. C'est Ouais, c'est ça, c'est l'argent vraiment, c'est vraiment l'argent. ça. Là, c'est une grosse histoire de sous derrière, et puis voilà. Et me trouve les dommages. C'est pour moi, on aurait Bon, après, c'est. dû. Après, Sony déconne aussi, il faut dire Du que. côté. Après, nous, dit Sony, bon, ouais. Parce qu'en fait, nous, dit Sony, c'est le tout du moral, même si, bon, c'est lui, le affaires, on voit, mais c'est depuis l'arrivée que je trouve qu'il devient n'importe quoi. Ah bon? Il devient n'importe quoi du côté. Ah, bien sûr, il devient n'importe quoi. Le GSA, bizarrement, en fait, pour le GSA, comment dire ça? Une image de. Bon, ben, Sony, la carte tournée et la PS4. Ne peut rien dire, tu as la PS5, Xbox One, l'Xbox, ben, c'est comme si tu n'existais pas trop. Hein. Surtout qu'à présent, J'avoue. ce n'est le J'avoue. Game Pass. Le Game Pass, ça fait sur PC. Donc, Xbox One. Enfin, bref, même moi, ma Xbox One m'a touché un an sur 7 ans l'existence de la console. Donc, voilà, quoi. Mais plutôt sur mon PC, en même temps. Ben c'est pour ça, moi c'est. Mais. Alors, non, finis aussi, ma coupe, finis. Ouais. Mais ça m'a mis comprendre avec Sony, c'est que quand on a un concurrent, le 16 ans, sans talus, en Ouais, fait, n'a jamais le droit, en fin de compte. Vous comprenez? Peu mais. importe. Et c'est même une question, en fin de compte, c'est même une question d'achat. Je veux dire, Activision Blizzard, personnellement, moi, on n'a rien à foutre. Parce que, comme je dis, tout c'est pas mon style de jeu. Overwatch, Diablo, non plus. Donc, il me retrouve pas mal là-dedans, en fait.
Mais je veux dire que si au double côté après, ben tiens, l'exemple m'a dit, apprends que le live te commence, t'es l'emblée, t'es en session sur les Xbox, c'est mort, exclu PlayStation. Final Fantasy 17 Remake, on attend toujours sur Microsoft, toujours pas, ben, tu veux pas donner. Le 7 Reaper, c'est mort, FF16, c'est mort, Octopath Traveler 2, c'est mort. Ah les gars, à un moment donné, je dis, là les gars, ils rasent. Mais en plus, les compliqués quoi. Et PlayStation avait annoncé qu'on avait un genre de launcher pour mettre ses jeux sur PC. Ça me fait passer des nouvelles dessus. Pourquoi une nouvelle, non ? On m'a pas vu trop de trucs là-dessus aussi. Mais ouais, elles en ont raison. Alors Dark Crystal, un truc dans le chat. Xbox n'a plus de jeux. Par contre, j'ai pu découvrir As Dust Falls sur le mois gratuit du Game Pass. Ouais, m'avait kiffé là aussi. M'a fini le jeu d'ailleurs, m'a fait en live, m'avait kiffé. Non mais là, attends, Xbox n'a pas de jeux. Oui, c'est ça l'effort en fait, parce que si on regarde bien avant, la force, moi toujours, dis-moi de toute façon, et il y a plein de monde aussi pour ça, c'est que c'est pas la console en elle-même qui fait succès, c'est les jeux qu'on a dessus. Si à nous, pas à moi, je prends un exemple, si les jeux là plus marquent à moi, comme dit-moi les pro PlayStation, si me dit ça, c'est parce qu'on a plein de jeux que la marque à moi sur console là. Autant on a des jeux de combat, on a du Metal Gear, on a du Last of Us, on a plein de jeux la marque à moi dessus. Et Xbox a compris ça en fait, que la force de PlayStation c'est son bon triple A. Nintendo pareil, c'est son bon exclu mettre allé en avant, malgré la vue, son gain de puissance est ridicule comparé à la next gen. Et les cartons même frère, il fait hype de monde quand même avec son bon petit jeu, il n'a pas dit bas de gamme graphiquement, mais il est en dessous graphiquement, mais il est amusant en fait. Donc c'est les jeux, Xbox a compris ça, donc au lieu d'aller concurrent PlayStation sur son terrain, ben, il a fait ça avec son Game Pass. Il a dit, ok, c'est pas le console, c'est les jeux. Et ce qu'il a fait, ben, il y a donné un catalogue de jeux. N'a pas forcément des exclus à l'ident, mais du coup, ben, pour un moindre coût, ben, nous gagnons un tas de jeux. Et c'est les super bien trouvés, mais trouvent ce qu'il a fait. Donc, voilà, il faut plus. Après, j'espère vraiment que. Enfin, mais on fout un peu du un peu comme Anthony, mais que le Call of, qui est pas qui va gagner la guerre, du coup. Mais moi, je veux juste que Xbox continue à développer ce Game Pass comme ça. Et qu'ils permettent à plein de gens, pas de jeux gratuitement, mais de jeux pas grand chose. Avant, on me rappelle, encore, pas si longtemps que ça, hein, mais pour jouer un jeu, il fallait ôter il parle avant du numérique, quand tu achetais les jeux en boîte. Il fallait ôter 100 magasins. Encore, Nadomoun, il ne connaît pas trop. Nadomoun achetait ça dans les grandes enseignes. Bah, le jeu coûte 70€, 100€. Dans les magasins. Ça va vidéo, Drive Cycle au titre de bas. Voilà, dans un petit magasin de jeux vidéo. Mais c'est pas non, la petite, c'était pas grave. Dans les magasins de jeux vidéo. Ah, bien. Dans les magasins de jeux vidéo, où vous trouvez les jeux alliés à 40, 50€, et le même jeu, vous trouvez allié en grande surface, à 70, 80. Ma fine vue, les gars, mais casse pas les couilles. Dans les grandes surfaces, Sainte-Marie. Ma fine vue, genre Nioh, la compile Nioh sur PS5, à genre 100€ un bout. Alors que quand il regarde le train dessus. Le store PlayStation, le store officiel, il est beaucoup moins cher que ça. Donc, voilà, c'est un fait, on va dire. Et avant, mes rappels, mais tu dépenses beaucoup quand même par mois pour jouer mon bon jeu. Et là, comme il voit maintenant, m'a vraiment réduit drastiquement mon bon dépense parce que le Game Pass, parce qu'on a plein de jeux gratuits, fleuris sur le net. Là, dernièrement, Tower Fantasy, que m'y kiffe et qu'il me donne chaque bon tonton et VRG, tout ça. Donc ça c'est un plus quoi. Autant tout ce qui est DLC, tout ce qui est jeu en kit, c'est un truc qui fait chier moi parce que ou même bon truc loot box maintenant comment. Autant la bonne truc qui est né à mon vidéo, mais autant la bonne truc positif que me trouve que si m'avait ça quand t'es plus jeune, gars, t'es content hein. Parce que là en vrai même sous les gars ou Loki, vous gagnez bien joué, hein. Vous gagnez apprécié quand même, donc pas de soucis. Moi le problème c'est pareil, paye le Game Pass dans le vide, moi on connaît. Paye dans le vide. Bah ouais, c'est comme si ou pas, mais on a tellement de jeux que... Ouais, ben en vrai, si un moon par exemple, il a le temps vraiment joué. Voilà, il a le temps vraiment mais joué. Mais si on regarde bien, même si on joue pas, gars, imagine, c'est quoi le Game Pass, c'est 12€, non 12-13€, non par mois. Ouais, d'affaire. Bah, imagine ou paye 13€, ou jouer que 2 semaines chez un mois, et imagine ou acheter un jeu 60€, et ou jouer que à jeu là et ou jouer pas tout le temps. Ben, on est plus gagnant en fait en ayant payé 13€. Donc en vrai, il n'est pas si grave que ça. Hein. Genre pour 13, pour d'avoir l'idée, 13€, 12-13€, c'est l'abonnement que de Mooney paye pour jouer à World of Warcraft, pour jouer à Final Fantasy XIV ou je sais pas d'autres jeux là. Donc là, pour le même prix, on a plein de jeux accessibles. Donc, ben là, justement, Manu, Roulon, vous savez acheter le jeu là?
Parce que pas besoin d'acheter, ça sera sur Game Pass. Ah. Je suis PC bien joué. Alors. Ah, ben oui. Voilà. Pareil, à même, il y a bien qu'on a joué Back 4 Blood. Là, DevOps, c'est mon, le Back 4 Blood. Ben, il a fait la rêve Day One sur Game Pass. Ouais. C'est ça, un bon truc. Mais il connaît pas si PlayStation, il fait pareil. Est-ce qu'on a l'abonnement premium? Enfin, le dernier truc, là. Est-ce qu'il faut absolument le dernier pour avoir des jeux Day One? Ou est-ce que même si vous voulez la salle en dessous, ben, on peut quand même avoir... Non, il faut... Normalement, on croit que c'est que le premium ou... Et encore, on l'a pas le jeu Day One. C'est... Non, on a pas la Day démo. One. Bah, oui. Ça, là, on a un genre de démo pour tester le jeu si on veut, mais après il faut acheter le jeu après. Voilà quoi, en plus, ou... Ben, bref. Les... Moi en vrai, ben, là, tout le reste, le truc que m'a jamais compris en fait, c'est le PS Plus. Moi, m'a jamais compris pourquoi il faut payer pour jouer en multi. Sur PC, n'a point ça déjà, ouais, nous jouer entre nous, et là, il faut nous payer l'abonnement pour jouer en multi. Ça, c'est un truc. C'est d'argent, en fait. C'est Xbox que la introduit cette communauté. Et mais casse pas dans les couilles, pourtant encore ça me répète, mais autant il est pro PlayStation, mais autant il admet quand même un truc qui est chiant. Mais non, ah oui, encore, encore mon abonnement PS Plus, mon abonnement d'avant, hein, avant le truc de base, ça qui est deux jeux gratuits tous les mois là. Malaga d'aller parce que Miguel est bon de jeu, mais il pense que là ça finit en octobre, ça part au nouvel avis. Déjà parce que les jeux gratuits que Miguel il a 2-3 là déjà, il a 2-3 bons jeux, hein. Là, coup, là, il a Blue Fantasy avec chez Need for Speed, je crois. Mais une fois ton abonnement est coupé, on n'a plus accès aux bons jeux déjà. Donc il faut absolument m'y payer pour jouer en gros, c'est pas assez... les jeux n'est pas si gratuit que ça déjà, et ben m'y voit pas l'intérêt parce que tous les jeux multi que m'y joue, ben les mêmes plus PlayStation, m'y joue plus sur PC, ouais. La Monster Hunter World, non, juste PC d'en prendre le jeu, et ben le Rise, ben ouais, me connaît m'y va jouer, m'a pas besoin de payer mon abonnement, et m'y lance le jeu, m'y connaît quelqu'un d'allô, m'y joue, et voilà, moi m'y trouve, encore une fois, il dépend de ton bon besoin, mais moi m'y trouve plus de trucs, m'y voit pas l'intérêt de l'abonnement PlayStation quoi. Mais vous n'avez plus d'intérêt. Voilà, ben c'est pour ça que tout à l'heure, même par l'histoire d'abonnement, c'est que moi, je paye le Game Pass, mais je joue rarement dessus. Mais comme on dit, moi, je plus sur PlayStation. Mais dans mon PC, oui. Mais je plus sur bon jeu PlayStation. Donc, pourquoi moi, je ne pas toujours poser ma question, pourquoi je paye le Game Pass en fin de compte. Ben si, t'as quand même, des bons jeux, comment est-ce que t'as quand même des bons jeux quand oui, même. Oui, mais tu parles même, hein. Oui, non, les affaires. Avec Plectel, avec d'autres comme trucs. Comme on dit, ça, ben, un peu comme on dit, les. PlayStation, comme s'il est ancré en haut ou quoi, je préfère allumer mon PlayStation, jouer mon jeu PlayStation, allumer mon PC, mon jeu Game Pass. Et... Après, on va dire, il sert mon petit garçon, mon truc comme ça, on va dire. Mais après, ouais, après, dire... après, il dépend. Moi aussi, comme on est en gamme, t'es plus sur mon PlayStation. Mais rappelle, jusqu'en Covid, là, comment c'est un petit peu l'affaire. Le dernier jeu majeur sur PlayStation, c'était PS Honor 5 Royal, parce que je devais absolument jouer ça en français. Et depuis, gars, là, en vrai, le seul truc, ça fait rallumer mon PS4, sera God of War, hein, mois de novembre. Hein. C'est devant chaîne là-dessus aussi du coup parce que ça c'est un jeu m'y attend aussi. Le God of War c'est le c'est pour ça encore une fois que m'y trouve pas vraiment d'intérêt pour l'instant à prendre la PS5 parce que les jeux m'a vraiment envie de jouer. L'avait le Horizon Forbidden, la sortie PS4, sur PS4 Pro mais m'a rien joué. Le God of War pareil, God of War ça me pense que sera la claque du mois de novembre. Et sera sur PS4 Pro et n'a pas besoin de jouer le God of War en mode de 4K, ça ferme, hein, PS4 Pro se ferme bien pour l'instant. Donc, sera le jeu que va faire à mon PS4, mais pense, hein. Mais pas à ça, mais voit pas. Là, ouais, là, moi, pour check mon liste d'affaires, le seul jeu à télécharger pour moi essayer, Black. C'est Immortal. Comment on appelle ça? Immortal Phoenix Rising. Ça a longtemps, ça? Ouais, mais. C'est le seul train à tirer moi là-dedans. Non, mais en même temps, on a quelque chose que les règles qui passent et que les dangereux, c'est qu'à un moment donné, on a le syndrome Netflix en fin de compte. Des fois, tout le catalogue, mais moi-même, je suis pas sur Game Pass, mais m'y connais. M'y connais que les règles. Souvent, non, c'est comme si moi, personnellement, il est inondé pareil, ouais, de jeux. Oui, on ne connaît plus que vous faites en fait. Des fois, les dangereux. Ça, c'est vrai, ça, les gars. Mais déjà, ça, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Il est devenu comment, en fin de compte. Ça, c'est vrai. Mais ça, on connaît, il ne date pas de maintenant, ça, parce que. Bon, il faut dire un peu la vérité. Quand tu es plus jeune, tu n'avais pas le pouvoir d'achat. C'est ça, voilà. Comme avait mon petit X-Men Street Fighter ou mon petit. Voilà. Mettez le jeu, mais elle n'avait pas beaucoup de choix. Voilà. Et du coup, quand on a plus on a accès à plein de jeux, et du coup, plus. Ou des fois, on a envie de tester, et du coup, on délaisse des jeux, et où les plus comme ça. Ah oui, délaisse. Ouais, mais m'y cache pas moins, et m'y connaît, a plein de monnaie comme moi, mais il a plein de jeux qui m'a pas fini. Bah oui. Soit parce que c'est des jeux qui n'ont point de fin. Un peu comme les MMORPG, du coup, mais c'est juste qui m'a arrêté. Soit c'est des jeux que m'a la laisse un peu de côté,
Parce qu'on a la deux à la moins et un peu ailleurs, quoi. Et Sam pense que. C'est vrai qu'avant, t'es pas pareil. Nous les avant, dé... avant d'acheter un jeu, t'es dans l'anglais, ça, là, mijou. Inondé, quoi. Comme on t'a dit, quand t'es cité, ben, on me rappelle quand on m'a appris Metal Gear, t'es, ben, adore, les chimes, t'es dehors, t'es, on l'a vu, on veut le temps jouer, t'es joué. Après, des yo, t'es gay Final Fantasy 7, oh t'es joué, qu'on a gay Final Fantasy 8, ben, t'es, waouh, on l'a vu le temps, après, ici, waouh, là. Et puis, parce que tu te rappelles, on se joue. Et t'es ponce le jeu, mais rappelle quand t'es fallait débloquer le personnage. Fallait débloquer le personnage. T'es ponce aux affaires, genre mode difficile, t'es débloque tout. Pareil, Metal Gear, ça t'y rappelle, Metal Gear, il fallait finir le jeu un fois pour gagner le, comme l'optique. Fallait refinir pour gagner, avec une autre manière, pour le bandana. Ben, où t'es fait? Là, comme là, Mijazol, la bonne jeu, mais finit un fois. Mais Roba Pichu, même regarde, le dernier jeu m'a fini, c'était As Duskfall, le jeu banal à cause de le chat, t'as pas longtemps là. Ben, m'a fini le train, alors sans fait exprès, m'a fait quasiment un fait parfait. La personne est morte et m'a fait le train parfait. Mais il n'aurait plus relancé le jeu pour voir les scènes cachées, m'a même plus envie de refaire. Ouais. M'a regardé sur YouTube vite fait et m'a plus refait le jeu. Et pareil, que avec Xenoblade 2 Chronicle 3, m'a acheté le jeu, m'a fait 140 heures dessus, m'a même fait du 100%, là. M'a fait la fin, parce que c'était non, là, il faut me finir un coup. Et là, on a encore plein d'affaires pour faire, on a encore moins plus 50 contenus. Il y a un peu dessus, hein. Alors, moi, c'est Elden Ring, mais pourquoi finir Elden Ring? Mais connais mes sur la fin. Elle est longue. Mais pourquoi finir? Là, en fait. Mais connais mes sur la fin, mais là, nous finir. Là, nous les parions bonne tontine, on a trop linge, et connais plus qu'il faut. C'est ça, c'est exactement, mais c'est exactement ça. Là, nous les comme nous, là. Mais, en vrai, c'est pour ça, me dit que, nous, à l'époque, on m'a pas eu ça, mais, m'y trouve ça chouette, en fait, d'avoir trop de choix. Qu'un truc restreint. C'est que c'est, franchement, là, même un jeune, bon, après, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'addiction et il ne faut pas délaisser ton vie sociale, quoi. Mais même là, si on n'a point trop l'argent, juste avec les jeux gratuits, hein, franchement, les Warzone, on a tout déjà fait accessible. On a tout déjà fait. AVJ, Diao, 950 sur Elden Ring. Aïe, pour ce jeu. Aïe, pour ce jeu. Mais voilà, nana. Après, moi, je pense que là, on va finir arriver d'un moment où, ça, comme vous dites, on a tellement de choix. Qu'il faut que mentalement nous arrive à dire à nous, nous ne pouvons pas jouer à toutes. Il faut choisir. M'avait dit un truc, mais je ne sais pas s'il est vrai. La dose dans une vie, je vais dire moi s'il est vrai ou pas, hein. Peut-être que vous allez faire les comptes, que dans une vie humaine, un joueur, il peut finir grand maximum 200 jeux, pas plus. 200 jeux. Alors, je ne connais pas combien de jeux vous allez finir, mais le fait d'avoir un chiffre comme ça, les vrais, en fait, ne peut pas faire tous les jeux, il est impossible. Donc, même si c'est un truc qui hype à nous, ben, nous va choisir. Par exemple, pareil, je me rappelle quand Ghost of Tsushima l'avait sorti, mais crois que c'est chou, vous avez pris le jeu. Mais t'es ça pour le jeu. Après, petit papouquet, m'avait vu un autre, je l'aurai à la main, m'a barré sur un autre. Et après, le train l'a ressorti sur le PS Plus, m'avait joué un peu. Le Assassin's Creed, pareil, le Vala, m'a lavé testé, que tu fais laver dans ma lacrée, m'a testé un peu. Mais voilà, mes objets choisissent ce que m'y joue. Et encore, moi, même que les passés allés comme moi, c'est dans les jeux récents. Et moi, on a des jeux rétro que m'a pas joué, que m'a envie de tester. Donc, comme les RPG, les trucs comme ça. Donc, moi, bah, dans le passé, dans le futur et dans le présent. Donc, on a trop affaires pour garder. Et où l'obligé choisi. Voilà, Cap Gamer Radio, il a fait 900 de Silver Stark. Ça, c'est pareil, c'est un jeu gratuit. Et en fait, pour moi, tu crois que les passés pensent comme moi, mais pour moi, le meilleur support, en fait, c'est le PC. Parce qu'en fait, le PC, il est un peu hybride, il arrive à prendre un peu de tout. Bon, les très rares qu'on a des jeux Nintendo, il arrive dessus, voire quasiment jamais. Mais le PC, en fin de compte, c'est le jeu où ça en a toujours un remaster, il arrive en PC, ou un version PC, il sort. Donc du coup, si Aou veut, on n'a pas trop de pouvoir d'achat, et bon, en général, si on a un PC, on a quand même un petit pouvoir d'achat. Mais si on ne veut pas trop avoir plein de consoles et on veut juste un support, ben, le meilleur, c'est un PC, en vrai. Hein. Regarde, la Spider-Man l'a sorti, le God of War. Bon, après, les 13 en retard, elle est vraie comparée à juste console. Mais le PC, c'est toujours celui du milieu qui arrive à avoir de tout, parce que l'IP autant fait tout de bonnes vieux jeux que bonnes jeux récents. Voilà. Donc là, à nouveau à l'écran, en plus, un petit Zelda que n'est beaucoup à attendre. Ben ça aussi. TSM, avez-vous ça? Mais moi jamais fini. Moi jamais accroché. Moi essayé, mais. Tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi quoi, le Zelda? Ah moi aussi, m'a pas accroché. Attends, Breath of the Wild, ça n'a pas accroché? Non, mais expliquant pour moi, il paraît The Witcher. Moi, quand on a joué The Witcher, quand on a vu les vidéos, on était voir mon frère, je lui dis, t'as le jeu trop belle. Donc, quand je me mets dans ma mère, ma belle, 30 minutes, m'arrêter. C'est parce qu'il cause un tas. Ah oui, c'est bizarre, tu me fais chier. C'est quoi? Attends, c'est parce qu'il cause un tas, Witcher l'a fait chier, ou bien c'est parce que le jeu. Non, c'est le gameplay, pas pour moi, en fait. Et Zelda est pareil.
Ouais, Zelda, Zelda est pareil. elle m'a kiffé le Zelda, mon gars, le côté exploration du Zelda. monde ouvert, elle m'a kiffé, ouais. Zelda, mal arrive quand on est dans le lac ou bataille contre espèce bébête dans le. Dans la. Ah, le truc est dans l'eau là. Au tout début, ça, c'est au tout Ouais, début, c'est allé au début ça. Mais en fin de compte, le seul truc même pas dans Zelda, c'est. Oui, il suffit juste un truc là, c'est fait chier, moi, c'est le bon arme. Le bon arme quand il casse à chaque ouais, fois. il se casse, ouais, j'avoue. Elle Et a des fait une fois, il faut caisse. changer. Mais en Caisse, vrai, mais à moi aussi, ça te. Mais après, on m'a fait avec, et du coup, m'a pas fait tous les Zelda. Mais t'es pas parlé de ça avec ton, on a pas longtemps. Ou ça. Nabanga, par exemple, Bana a fait tous les Zelda. Donc, Bana, il connaît chronologiquement laquelle il commence en premier, laquelle il commence en après. Ça, en fait, c'est une suite, ça, de l'histoire. Et celle-là, en plus, m'a vu bonne rumeur, mais qui est pas si vrai. Hein. Normalement, le méchant qui revient souvent, là, Ganon, ça là. Là, Bana a dit comment qu'apparemment, on a une théorie. Comme quoi, Ganondorf, avant, c'était un héros. Et du coup, il y a mal tourné. C'est comme Aliani le méchant. Enfin bref, il y a un gros lore autour. Alors que moi, il n'est pas trop trop dedans. Mais juste pour le gameplay, en tout cas, il kiffe Ali. Amène à moi Ça m'a fait Ocarina jouer. Ça ben, bah, on voit, Ocarina of Time m'a pas fini. Majora's Mask m'a pas fait. Mais elle a fait. C'est que celui-là, oui, là. Ah, quand elle est en mode de cartoon, là, mobile, non. of Time. Wind Waker m'a fait. Le Skyward m'a pas fait. Mais apparemment, on aura peut-être un remaster aussi. Donc, on va voir. Narplan Zelda m'a pas fait en vrai, m'a fait le Saxugaba m'a fait, Minish Cap m'a fait, mais ouais, ça, en fait ça c'est le côté vraiment exploration et RPG que j'aime bien, et d'ailleurs que c'est ça aussi que la inspire Genshin Impact, Tower Fantasy et d'autres jeux gacha. C'est banal à reprendre quand même quelques codes de Zelda qu'il a quand même bien marché, et c'est ça aussi l'effort avec Nintendo, c'est que Banal fait bon jeu où ça Banal y arrive à inventer des choses, à innover à chaque fois et qu'il devient un peu culte. Voilà, c'est un peu comme, regarde, même Pokémon n'a pas longtemps, m'a revient un truc, ça, ben, du chinois l'a copié un jeu Pokémon, et, mais Bana, quand il dit copier, là, c'est copié, on voit un Tortank dedans, on voit un, c'est les mêmes Pokémon, hein, mais Bana change le nom, et on voit quand même que c'est un base, et qu'il n'y a pour l'instant pas grand monde que la Russie a fait un jeu mieux que Pokémon, Pokémon elle reste toujours la base, on en a bon jeu ressemble un peu, mais voilà, pareil, bon, Zelda, pareil, n'a pas, là, des jeux ressemblent à Zelda, ben ouais, par exemple, on parle à Phoenix, le jeu Phoenix, là, ça aussi, mais quoi, elle avait été inspirée de. Qui est passé de Zelda ou de Oui, Dieu. Voilà, on voit, ça je aussi, c'est une inspiration. Donc, c'est pas Nintendo, il connaît pas comment sera son prochain console, mais allez, en vrai, il est tranquille là-dessus. Toute sa bonne licence, enfin, quasiment, toute sa bonne licence à succès. Dès que t'as un trailer, The Moon, il pète un câble, là, pareil, juste ce trailer, elle a fait hype The Moon. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est confiant. Et il est bien parce qu'on voit tous les aspects du jeu vidéo. On voit le côté next-gen, le côté proche du réalisme. On voit le bon petit jeu, il est vraiment amusant à jouer. Et à moi, j'aime bien ça. J'aime bien voir la gamme comme ça, t'as un peu tous les trucs. Comment ça va, Black Nato? Comment ça va, Sky? Dis-moi sur le chat. Donc, alors, là, quand tu peux t'en devant nous. Donc, là, comme on disait, là, c'est un petit concept, nous, nana. Que les passés nous avons fait comment? En tout cas, mais tout le concept sympa. Là, nous n'avons point des sujets précis. Là, nous parlons sur sujet vidéo, donc ils peuvent aller sur n'importe quel sujet. Donc, si vous avez des petits sujets dans le chat, n'hésitez pas à envoyer. Nous pouvons causer un peu dessus aussi. Mikuli, plutôt qu'un jeu navet. Attends. Bon, si nous sur l'actualité, Mikuli n'est pas si la vie, c'était l'ami Barbu, que la méthode ça donne un petit groupe il n'y a pas longtemps. La carte graphique RTX 4090 et 4080. L'a été annoncé. Alors, m'a pas vu le vidéo en entier, moi, du coup. Donc, je sais pas si vous allez plus informé que moi Ouais, là-dessus. ben maintenant il mettre le vidéo, ben le trailer. Les jeux du trailer sont moins. Ben maintenant il essaie de mettre mon de rein sur le marché noir, mais. Dans le trailer. C'est quoi le trailer? Attends, c'est si. Il y a un trailer normalement si j'ai. Il dure pas longtemps, mais. Ben, la même mettre. Attends, faut mettre moins de 24 heures. Non, ça là, une minute 02 là. Hein. Non, C'est ça ça fait. même ça? J'étais Non, mais dit ça après, et je me suis dit. Barbu l'a écrit Non, un le truc. deuxième, le deuxième. Deuxième? À ton temps, ça. C'est ça, non? Mais il a mettre un truc dans le chat, il a dit comment le prix, il peut arriver dans. Enfin, genre, à la Réunion, le gars l'avait dit, moi, à la Réunion, le 3000 et quelques, il avait vu un endroit, c'est pas ça, un lieu, il était vendu le carte graphique à près de 4000 euros, frère. T'es allé sérieux? Dans la bonne Le carte graphique. 3090. Ouais, ben, 4000 euros, frère. Ou dans la bonne carte graphique, il arrive 4000 euros à la Réunion? Vraiment? Ah, les affaires, c'est 4 packs PS5, les gars, arrête de déconner. Vraiment, ouais. Que les, par contre, on va aller faire les prix de la Réunion, mais. Lui, gars, mais. Skyler est dans le groupe de discussion, il remonte la discussion.
dans le groupe, nous les dons là, discussion, remonte, ouais, le gars l'écrit ça. Il a vu Saint-Leu, un mount, et vend un ATX 3000 et quelques, près de 4000, frère. Et ça, les vrais, en vrai, dans le groupe Renault Gaming Crew, des fois, ça, tu vois pas, parce que des fois, ils calent le bon spam. Mais des fois, les gens, ils rentrent dans le groupe, juste faisant de publicité. Et les gens, des fois, ils spam bon truc, que ils laissent pas passer des fois, ou ben, ils revendent des cartes graphiques, mais comme ils voient le prix, mais c'est n'importe quoi, ils hésitent, mais ça, c'est le prix où vendent. Et mes belles camarades, ils en métropole, il n'a rien à voir, le prix n'est pas comme moi. Donc, Bana, il commande les affaires, il ramène à Réunion. Après, Bana, il connaît que c'est un truc qui plaît aux gens qui jouent sur PC. Ben là, il y a un mezzo de gros marge dessus, mais des fois, il exagère, les gars. Franchement. Là, mais, on a un petit détail, il dit comment l'offre commencera ainsi. Bon, ça, c'est pour la série. Alors, la 3060 est à $329. Jusqu'à 1000. En euros, il fait 1949 € pour la 4090. Prix ça, hors taxe. Ça, hors taxe, ça, hein. Ça, il sort quand, on l'a dit ? Attends. Ouais, elle est écrite là. 4090, $1599. Elle est écrite en description. Mois d'octobre. Ben, ce mois-ci, mois d'octobre, il sort. Attends, mais il est encore sur mon PC là, mais il est encore sur le 2070 Super. Ouais, ah, moi là, mais. Mais après, là-bas. Après, en vrai, mais comprends, moi, les cas, vous connaissez les coms de Moon, ils chinent l'auto. Hein, la banque de Moon, ils mettent les pièces l'auto, ils mettent programme. Mais... Et c'est un budget, ben il est pareil pour un Mooney sur PC. Hein. Naban Mooney fait, regarde Barabi l'autre cool, il a mis un Waban si l'écran. Il a mis, en fait, c'est bon si l'écran, ils mettent dans la tour PC et du coup, mettre ce que vous voulez dessus. Tu peux mettre bonnes animes, un truc comme ça. Non, ben, mais là, pour les fous, le bon prix devient fou. Enfin, il a toujours été fou, comme dirais-je. Mais il sera c'est le haut de gamme. Exploité, en fait, le niveau de jeu, c'est ça le problème. Les débiles. C'est quoi les débiles? Que les cartes sont toujours sous-exploitées en fait. Oui, c'est et ça. Ou tu peux attraper même. Oui, je peux attraper un fois. Des fois, mi-fois bonne moon. Des fois, mi-fois bonne moon, par exemple. Banana a un bon setup. Et souvent, on voit sur. Attends, souvent, on voit sur YouTube. Genre, Banana il fait. Banana il met bonne mode. Et Banana il fait, par exemple, bonne GTA en mode Ultra HD ou Forza, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça, par exemple, quand Banana fait ça, est-ce que Banana il pousse vraiment le PC à fond? Ou est-ce que... Attends, ouais, passe. Mais ça s'y pousse aussi par rapport au moteur, enfin, au moteur du jeu, entre guillemets. Regarde, la 3080, regarde ici, ça fait. Est-ce que quand Banner fait ça, par exemple, est-ce que là, Banner, il pousse vraiment cette carte à fond? Bah, pas encore, comme tu voulais pas trop joli encore. Moi, je suis mieux, hein. Mais est-ce que... Enfin, mon pas... Non, mais pour moi, c'est pas la carte à fond. C'est ça que je peux faire avec le moteur en tant que dedans. Mais pas la carte. Parce que, moi, en fin de compte, là, mais on voit souvent, en fin de compte, bonne comparaison et tout. Et ma benchmark à faire, en fait, sur. J'ai vu c'est 3D mort ou pas, c'est un truc de mesh shader. Et en fait, le benchmark là, si vous voulez, l'utilise la puissance intrinsèque, si ça tu comprends, de la carte graphique, en fait. Ouais. Il montre, par exemple, une 2060, sur la benchmark là, il lui montre que s'il n'a pas de mesh shader, il aura un truc genre 70-80 FPS au max. Ouais. Au max, c'est comme s'il était utilisé à fond. Mais c'est pas le cas. Et quand on met le mesh shader, et ben là, il utilise vraiment toute la carte. Et là, il monte jusqu'à 150-200 FPS en fait. Et les développeurs. Et c'est pour ça que c'est aux autres, mais je comprends pas pourquoi on est déjà arrivé à la série 4000 pour les codes graphiques. Ouais, je pense que le max, c'est pour les joueurs en fait. Oui, c'est vite, pas pour les joueurs, c'est pour tout ce qui est le mining, etc. Et tout ça, c'est pas pour. Ouais, pas mais pour le jeu, hein. Ou peut être sûr que depuis l'annonce, hein, la bonne joueur s'acheter ça. Hein, ça ah. Et le problème, c'est quoi? C'est que les développeurs, ben, c'est pas faire chier, c'est pour l'optimisation. Hein. Ouais. Ça, on a un gros tard puissant comme et tout, ben allez, c'est parti. Mais en vrai, d'abord, moi, je connais que ta joueur va acheter. Moi, je me rappelle même à l'époque, t'es étudiant, donc il remonte, genre, tes frères, n'a plus de 10 ans, frère. Hein. Et genre, je me rappelle, tu devais acheter bonne PC, genre, pour travail. Et je me rappelle, il y avait un gars, bon, je ne sais pas si c'est son nom, mais bon, après, c'est un gars d'un petit peu l'argent, si vous voyez, c'est un petit peu le choix. Le gars me rappelle de toute la promo de PC pour ta bonne tranquille. Le gars, là, pour un PC fixe, les gars, $4500, frère. Mais gars, le gars, me dit, ça, c'est ton PC pour travail, ça? Le temps, tu parles, il y a un fou, gars. Et en vrai, tous les jeux que nous t'es joué, m'avait un fixe et m'avait un portable. Et je me rappelle, tous les jeux que t'es sorti, nous t'es gagné quand même bien joué, bonne qualité. Mais moi, je me trouve que le gars, il apprend ça à 4000 et 4000, il a. Tout ce que lui t'es fait, tous les jeux que lui t'es joué, ben tu t'es pas fait tout de pareil sur le PC. Donc, mais d'accord, Anthony, des fois, si vraiment il y a besoin, je sais pas, si vous exploite vraiment la carte à fond, ok, mais si vous jouez juste, par exemple, comme moi, je change de carte graphique ou de PC, vraiment, comme vous allez dépasser, que ben, je ne suis plus niveau de jeu. Mais si vraiment, après, je sais pas, moi, au CF, pas les affaires à fond, quel intérêt vraiment? Vous payez un peu l'argent, en vrai?
Après, mais connais que les gens ils revendent. Les gens ils revendent les anciennes cartes en général aussi, c'est ça aussi qui fait que bah là il y a moitié le prix, mais Et tu revends le PC entier, en ce moment là t'as les gars mi connais maintenant de revendre notre PC. Mais le pire c'est que. Ah, depuis le 4000, depuis l'annonce de 4000, bah, sérieux. Bah ouais les gars, obligé de vendre, comment ça a fait. Et le pire c'est que si vous connaissez pas ou veille pas là, bah, ça fait un AKO encore. Mais est-ce que là les tout ce qui est par exemple là, la montagne ou les cartes de les 4000 là. Les ATX 4000, est-ce que ça allait toucher par la pénurie aussi, du coup, parce que ça en a un bon stock? Ah, mais pense pas, il doit avoir. Est-ce que l'avait dit à nous que tout ce qui est pièces informatiques aussi était touché par ça, les cartes graphiques qu'il avait à faire? Non, ben la revenue, ben, ce matin, mettait dessus, il y en a quand même de dispo, je trouve. Hein. Si tu veux commander, mettez des commandes. Ah, moi, en tout cas, mais qui est pas. Moi, pour l'instant, moi, je veux savoir. Ils doivent vraiment. Ah, moi aussi. À moi, mon ordinateur, mais qui est pas que là, arrive à aider 3 7 ans ici, là, mais il me dit, tant qu'il marche, je connais. Ah, bah, on l'a guéri réparé. On l'avait dit, moi, je pars. Oui, franchement, ma vie débranche toute, ma démonte toute, ma désossée, ma remonte. Si vous l'avez pas arrêté un temps, ou la. Par exemple, quand consulté, marche pas là, ou souffle. Hey, bah, désossé. Mais qui est pas sûr de ça. À l'époque, il y avait un petit truc qui fait plein la main. C'est quoi quand il y avait une console PlayStation ou bien une console carrément. Disquette Nintendo, frère. Disquette Nintendo. Il y avait une technique qui fait plein les. Genre, tout le monde a connu, genre, le ciel, une affaire, ou souffle dedans. Ou souffle. Gars, mais tu connais, ouais. Gars. Mais que les passés, ça connu ça. Un gars, il met son CD, les rayés. Et le gars, il met à folle pas. Les gars, le gars, il prend son CD. Il était nettoyé. Il était mal dans le frigidaire. Chier, les gars. Il était mal dans le frigidaire. Et après. Il dit, mais laisse comment et le pire c'est que tu marches vraiment hein, le gars tu remets le jeu t'es là en soi les deux disaient mais il fallait mettre un truc précis dessus, fallait frotter avec un passe produit le prix spirituel pareil mais rappelle quand l'écran t'es vieux et jeune là l'avait plein technique n'importe que de où t'es fait parce que vous l'avez ou t'es connais pas trop et comme là avec tout ce qui est toutes les consoles de maintenant là surtout les PS4 mais qu'est-ce que ça remarque ça mais il y a plein de monde dans mon entourage il dit moi par exemple votre PS4 les morts. Et les consoles d'avant, en fait, étaient, des fois, on avait tous trois soucis, ouais, mais ils étaient durés très longtemps quand même. Donc là, j'espère que ce n'est pas pareil pour la PS5 et la série X. Mais m'a remarqué qu'en tout cas, tout ce qui est Xbox, et même là, regarde, mais il y a même un truc. Sur Twitter, on m'a vu ça n'a pas longtemps. Mais je crois que c'est sur le tweet de Kayane. Il avait écrit comment que il a son Xbox Series X. Il n'a pas touché aux consoles. Il arrive son cas, il a lui, on a fait marche-pied. Donc j'espère qu'en tout cas, quand ils mettent de bonnes consoles haut de gamme comme ça, en plus, tu n'as point garanti, rien avec. Enfin, c'est une garantie, je pense, mais il est compliqué depuis la réunion, fait ça, surtout avec la pénurie. Et... Mais j'espère quand même qu'il n'y aura pas trop de soucis, de problèmes, parce que. Moi, j'avais un problème avec la mienne, mais t'es que sur Gran Turismo. T'es pas sur d'autres jeux. Oui, Gran Turismo, tout le monde avait déjà maté bug aussi avec ça. Oui, parce qu'en fin de compte, la mise à jour, et quand tu rentres dans le menu, mais le pire, c'est que c'était comme tu rentres que dans un truc qui appelle le menu café dedans, en fin de compte. Ouais. Que comme tu rentres là-dedans, ben mon PlayStation t'es sur chauffe, t'es coupe. Mais si me rentre pas là-dedans, me fait mon bonne course en ligne pendant 1h, 2h, 3h, 4h, m'a pas rien. Mais si me t'es rentre dans le menu café, ben les affaires t'es sautent directement. À froid, à chaud, qu'importe quel moment t'es sautent. À froid. mais après, la plupart du monde m'y connaît, hein, PS5, ce que les encourageants, c'est que m'a vu très peu de gens plaignent à Zot, que Zot PS5 n'a problème, genre il marche plus, un truc comme ça, voilà. Les très très rares, mieux entendre ça de gens que je connais en tout cas. Hein. Donc ça allait assez rassurant. Parce que du coup, on m'avait un peu peur que. Vous connaissez en général les premières consoles quand ils sortent. Ah, mais reviens, tu quoi hein. Continue ouais. À Zot, mais reviens tout de suite. En général, les premières consoles quand ils sortent, on a toujours. Ouais, on connaît pas si on aura bonne bug, bonne truc comme c'est ça. C'est le premier modèle, quoi. Voilà, on laisse les gens acheter. Et là, la PS5, malgré la pénurie quand elle a sorti, ben, elle n'a pas eu. M'a pas trop eu de retour, genre le train il chauffe, il teint, il marche plus. Donc ça allait rassurant. On a peut-être 2-3 mounas problèmes, mais. Mais c'est comme tout le temps, elle a toujours 2-3 mounas problèmes. C'est... Mais moi, peut-être moins que pour la jeune précédente. Ouais, j'avoue. Et du coup, ben. Il y a encore moins quand même. Ouais, après, surtout le prix où mettre, c'est quand nous, en plus, tu payes ça en pack. Enfin, me dis nous, mais pensez pas à la métropole. Hein. En métropole aussi, doit toujours en pack un peu partout. Même si. Il paye en pack, Et Skyline, elle était mettre 140 000 personnes dans le four. Mais là, au gris, tout au cas, tout là. Et en fait, pour la même pas parler du pack, mais il me semble que dans quelques mois, ça m'avait vu ça. PlayStation avait sorti un pack PS5. C'était un pack avec Horizon Forbidden. Et c'était le premier et le seul pack officiel PS5 sorti avec un jeu. Genre, pas un truc en pack, quoi. Et je ne connais pas si nous aura ça en fin d'année ou si ce sera.
on pensera toujours en pack. Hein. Là, petite anecdote encore une fois. Ce week-end, mais crois c'était samedi, je me suis plus. Ma passe dans un. Bon, on peut pas, c'est pas si clair, c'est encore une fois. Mais ma passe d'un endroit, Sani, en fait, tout ça là, voilà, ils vendent des choses en multimédia, des trucs comme ça. Et genre, comme il arrive pour sortir, mon download, ils ont dit, gars, un pack PS5 en ligne. Mais ouais, c'était. En général, la bonne magasin vend le bon pack PS5. Bon, des fois, c'est un bon télé 4K. Ou des fois, c'est un... des fois, le prix monte, hein. Des fois, c'est 1600 et quelques, mais... enfin 1200 et quelques, mais c'est pas, c'est un bon télé. Et là, mais regarde le pack. C'était un... même pas un télé, c'était un écran. Et l'écran était pourri, c'était un espèce marque, on m'avait jamais vu. Même la boîte, on dirait que c'était un truc pourri. Il avait genre un manette avec un casque, c'est pas quoi. Et le pack était à 1600. Et me regarde ça, mais là, c'est du foutage de gueule. Là, en vrai, il y a des packs, mais trouve, il vaut le coup. Mais les gars, il y a des packs, c'est vraiment du foutage de gueule. L'écran même, l'écran, on a vu, t'es bon, fait la pipou, va nuit là. La bonne l'écran mal la bonne pack m'a vu dedans, mais où va acheter les affaires? Le l'écran même, ça n'a même pas duré 2 mois. Il savent forcément, il savent même pas suivre ton console. Et mais qu'est-ce que le monde va acheter? Mais forcément, on aura une famille qui passe devant, on va dire, ben, Muron PS5, mon garçon, aux affaires, il va prendre. Donc, ben, non, à mon avis, À mon avis, on commence l'année prochaine, ce sera toujours moi, mais pareil. ça beaucoup observé en fin d'année, parce qu'en fin d'année, c'est l'année des packs. Ben, les connaît dans les festivités de Noël qui arrivent, il faut acheter des cadeaux. Donc là, on a plein de... C'est pas que ça fleurisse un peu partout, là. Mais ça bien observe ça partout. Et il me savent bien, ouais, si... Bon, ils savent vendre, hein, les sûr. Mais ils savent bien voir ce que voilà, ils proposent. Et en vrai, moi, ce que m'a plus envie d'avoir en fin d'année, là, c'est un Steam Deck. Mais plus ça, il paye pas un Steam Deck ou un truc du genre que par un pack à 1200 et quelques. Après, si ils me trouvent un petit pack sans rien, peut-être, hein. Là, tu Mais... crois Steam Deck, non, c'est le moment arrivé, sauf que bon, a dit que Steam est déjà en train de préparer une VS, une autre version de la console, donc Version pro? ben, vu que c'est une version pro ou Steam Deck, j'en sais rien, moi, comment ça s'est passé, mais il est en préparation a priori. Donc, Mais je ne sais même pas s'il est encore possible de trouver ça. Si ou comment là, est-ce que c'est encore possible de trouver? Est-ce que c'est le même business que la pénurie? Parce que là, il dit comment que. Ou tu essaies de commander ou tu es déjà sur la liste d'attente et bon, on peut ça donner la réunion donc. Mais en vrai, ouais, pour l'instant, ouais, quand même beaucoup de jeux peuvent jouer dessus. Allez, à Et bientôt, c'est bien, c'est ça. pour ça pour Ouais. Et rien. dans un gars, et pourtant, en plus, tout ce qui. Comment on dit ça? Tout ce qui est jeu en cloud. En général, la réunion ne passe pas. Quand on essaie de jouer un petit peu comme un truc, comme un Chromecast, un truc comme ça, il passe pas. Ou sur mobile. Et dans un moulin, dis-moi comment, mais que puis c'est sur le poste, c'est sur la page Facebook même, il y a un gars avait mettre un main dessus, il a un Steam Deck, et il a pu jouer à des jeux en cloud, il te passe, mais il y a dis-moi, il y a 2-3 jeux, les sujets passent pas. Il y avait dis-moi, par exemple, Forza, il avait joué en cloud dessus son Steam Deck, il était RAM très légèrement, mais il peut faire quand même une course tranquille. Et n'avait vendu ben, un FPS par exemple, ça est moi, ouais. Mais le gars de Zamad, mais quoi, il a d'autres jolis, il était pas soi. Donc, bon, après, pareil, avec lui, pas Kobe, il arrive à Steam Deck, mais. Oui, en streaming, par rapport au ping, n'a pas trop de temps de réponse. Seule solution passe par VPN pour réduire le ping. C'est ça. Après, nous, la fin, c'est l'espoir aussi, on a été, nous. C'est qu'on a un coup, bon, tu connais, des fois, nous faisons du jeu avec Parsec. Parsec, c'est un petit. Un petit logiciel, ben, de devenir un peu l'hôte, un peu le Google Stadia. Ça, tu lances sur les autres PC. Ou mettre Parsec sur le PC de ton camarade, par exemple. Et même si c'est son cas, il peut jouer avec ou à des jeux coop. Et moi, malin, c'est un truc n'a pas longtemps avec un camarade. Lila, nous l'a. Je pense qu'on est DNF Duel. Donc, c'est ça le. Ça, m'y mettre pour quand tu vois pas c'est quoi. C'est un petit jeu combat. Ben, ça, quand il a fait une vidéo dessus, mais il veut le trailer, moi. Et en fait, mon dallon, il était son case avec son tablette. Avec son tablette. Hein. Et moi, ma lance, je suis sur mon PC. Il l'a connecté avec son Parasec et nous l'a pu jouer contre. Et il était en Wi-Fi et le train était rampe pas du tout sur tablette. Donc, nous l'a pu jouer à jeu là. Je ne sais pas si mon du gameplay dedans ou si c'est que le trailer. Le gars, t'es sur son tablette Samsung. Et aucun, t'es rampe pas du tout. T'es joué super bien. Je pense que nous aurions joué Dragon Ball Fighter Z, nous aurions joué d'autres jeux combat comme ça, nous aurions bien passé. Donc, il y a des solutions, il peut exister. Ils peuvent peut-être entrer dans un autre joueur. Si Naemun a pointé le jeu par exemple, ils peuvent se mettre des PC, fait jouer dans l'Oiseau Exode. Et ils peuvent mettre Discord, et du coup, ben, c'est comme si. Bon, vous n'allez pas à côté le Moon, c'est sûr. Mais ils mettent de l'argent quand même, quoi. Une solution, il peut. Essayez en tout cas, parce que c'est gratuit. Ils peuvent essayer.
Voilà, donc alors, quelle heure il est? On a pas de beaucoup de trucs. Ce concept-là, les balles n'empêchent parce que nous sommes de sujet en sujet et on a toujours rien fait au bout de vie. Du coup, Miku, les balles. Ouais, ou tu devais aller où là, c'est 9h30. Alors, est-ce que nous arrêtons là ou est-ce que du coup, Manu, on a encore des trucs à dire? Est-ce qu'il y a encore des sujets à dire? Bah, mais attends, Clara Morgan arrive. Ah, ouais, Clara Morgan, mais il n'a pas fait de duel. Attends, mais t'as son nom, mais il faut pas mettre un film, un truc bizarre. Si ah coup. Ouais, j'en le gars. Non, mais ne suis YouTube, gars. T'es la bonne gars, la mec. La bonne gars, bonne scène quand même. Non, là, c'est bonne. Non, là, ah, l'album. Ali fait. Ça, c'est un scénario. Non, ça, c'est pas lui, ça. Non, ça va. YouTube, en général, ils sont aussi, donc pas de soucis. Ouais, déconne. Ça, Manu, à chaque fois, nous dit. En fait, pour l'histoire, en fait, c'est que Manu, il dit à nous comment. Allons faire une émission, comment, pourquoi c'est qui. Et pour ce soir, du coup. Il me disait quel sujet il met dedans. Il n'y arrête pas de dire mec à la rameau, regarde, il veut bouger. Mes fans, gars, il a des fans, mais à mon mieux pro Clara Morgan, quoi ça. La 2-3, c'est pas Clara Morgan, la 2-3, c'est la 3, les pareils Xbox avec PlayStation. Pour 4 soumis. D'un 2, les pro Clara, la... comment est-ce qu'on a tenté là et... C'est que la lunette là, c'est que la faille fait mener. Hey, Mia Khalifa. Ben, Mia, la 3, les pro Mia, la 3, les pro Clara. C'est pareil Xbox, ça, on dirait. Hein. Hey, arrête, hein, gars, arrête, parle de ça, t'as le guide dans le monde. Elle a rien à mettre de. Eh, hey, on dit ça, on n'a pas longtemps. Mais enfin, elle a vu sur un. Comment est-ce qu'on joue là? Immortality. C'était un espèce. Ben, ces jeux-là, attends. C'est un jeu. Et là, Santonia, les gars. Bah, il peut aller. Le moment où la caméra va couper. Ah, c'est vite fait. J'ai bouge. Et malgré là, sans savoir c'était quoi, en mode découverte. Et on dit pas, dès que nous lance le jeu, ben, nous l'étions sur le chat, l'a vu. J'en ai demandé où. Tout le bon scène, ben là, ça fait des choses en fait. Ou bien un bout était tombe. Et tu peux dire, en plein live, tout, ça fait ban à main. Hein. Et du coup, mal arrête le jeu à un moment donné, mal là-bas sur autre chose. Et bah, apparemment, papa était, papa eu rien. Donc ça va. Mais gars, ben, le passage dans GTA V, tu te rappelles plus, à un moment donné, un passage comment? Gars. Oui, ah oui, elle est pas paradis, non? Ou la qui est pas paradis? Ouais. Ça fait dire, mais ben, moi, ça fait comment? Maman, qui était la rue. J'étais devant Maman, mais qu'elle est pas bon. J'étais normalement, c'est plus de 18, non? Minimum 18, non? Là, ouais, bon, les gars, allez, pas bon. Allez, on a trouvé Anthony. Merci encore. On espère que qu'on refera d'autres comme ça, hein, parce que c'était bien chouette. Il n'y a pas de soucis. Allez, bonne soirée, Jeanne. On a trouvé. Alors, quoi? Kav Gamer connaît pas c'est qui Mia Khalifa. Mais gars, là c'est mon t'as aussi qui vraiment là sur mon PC, mais pense me fait pas la main vraiment. Donc pété recherche. Non, le PC me connaît pas si est sérieux ou si il blague. Ça se fait il connaît pas vraiment c'est qui hein. La cousine Wiz Khalifa, non, c'est pas son cousine ça. C'est pas ça du tout. Bon, alors ça t'offre plein de la fine cause dessus, t'es déjà ça fait par dessus. J'ai tiré assez à parler dessus. Est-ce qu'il y a encore des choses à parler sur l'actualité JV? Je ne sais point. PlayStation VR2, pas retro. PSVR. Par contre, ça m'inquiète pas trop parce que maman n'a pas eu le premier. Donc, maman n'a pas eu le premier. Mina, toujours le premier d'ailleurs. Toujours. Mina, toujours. Mais il ne touche plus, il dort. Ouais. Et en fait, alors, on peut donner mon avis déjà là-dessus. Ça, les. Peut-être est-ce que les chouettes ou pas. Déjà, le PSVR 1, le gros problème que l'avait avec ça, c'était la résolution. C'est-à-dire qu'on a des jeux où tu es joué, en vrai, les gars, elle est dégueulasse. Dégueulasse. Là, honnêtement, là, m'avait joué Resident Evil 7 à l'époque, en VR avec d'autres jeux. Mais en fait, quand on met le. En fait, ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on voit dans le casque, c'est pas pareil. Et la résolution du casque, c'est une résolution faible, en fait. Comme c'est le premier casque. Ce qui fait que quand on met une tête dedans et on voit le jeu, ben, la matrice est pixelisée, elle n'est pas jolie, ou il casse un peu l'immersion. Déjà, on avait ça. Après, on avait eu les PS Move. C'est-à-dire que c'est les manettes, en fait, c'est comme deux bâtons, en fait, comme deux télécommandes, en fin de compte, de main. Et les pas adaptés à la VR. Donc, c'était vraiment les premiers casques VR. Et du coup, les balades tâtonnaient un peu partout. Et du coup, avec le PSVR 2, ben, là, comme ça. Là, regarde, le casque le plus marché en ce moment, c'est le Quest, le MetaQuest. Alors, Mina a été là, vu que les plus marrons sont grands. C'est pas si bon pour vous, mais ça fait. Ouais, il y a. Le casque, le MetaQuest, le Quest 2, c'est le plus populaire en ce moment. Pourquoi? Parce que les contrôleurs, elle est assez intuitif et il est très bien adapté au jeu. On peut jouer plein de jeux avec, et la résolution est bonne. Et le truc de ouf, n'a
plus de fil. C'est-à-dire qu'en fait, on a le fil pour charger, mais quand le batterie est plein, on peut jouer sans fil. Et moi, pour avoir un test au PSV, le PSVR, hein, c'était une catastrophe, on avait plein de fils de partout. M'avait joué Skyrim avec ça à un moment donné, il me donne un coup de hache, le fil t'enroule tout mon cou, et du coup, tu es obligé de tirer le casque, retirer le fil. Mais tu passes mon temps à tirer le fil dans mon dos, t'es un peu chiant. Et en fait, le PSVR2, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend tout ce qui marche. Donc, vous avez vu, il reprend un peu les contrôleurs qui ressemblent au Quest. La résolution, elle est beaucoup améliorée. La nouveauté que l'on a là-dedans, c'est qu'on a des capteurs dans le PSVR2 qui suit, il détecte bonnes yeux en fait. Si vous devez regarder en l'air ou en bas, ben, le capteur il suit ton bonnes yeux et du coup il interagit avec vous dans le jeu, donc ça est chouette. L'autonomie, pour séparer la résolution, comme on a dit. Le seul hic en fait, c'est qu'on a toujours un fil. Bon, on a beaucoup moins de fils, on a un seul fil. Mais c'est le seul hic en fait pour moi, c'est qu'on a toujours un fil. Et mes collègues, on a des jeux, quand on est assis, ça va. Mais là, des jeux, des fois, où il est pris dedans et où tout, on a aux affaires. Pour l'espace, peut, en fait. Voilà, et on peut encore my out dans le fil. C'est le seul truc qui n'est pas moi, c'est que c'est le seul truc qui il peut foutre la merde. Le Quest, par exemple, où ben, t'es pour charger, mais quand le train est chargé, on peut enlever le fil. Je me trouve juste dommage que voilà, pas ça dans le PSVR 2, parce que on aurait été chouette de pouvoir jouer. Voilà, et de, pour moi, une fois, pour les gens là, Tesla VR avec fil et sans fil, une fois où jouer sans fil, on peut plus revenir en arrière. Enfin, des fois, l'obliger avec d'autres casques, mais c'est tellement inconfort de jeu qu'on a du mal en fait. C'est pour ça que mon PSVR 1 dort. Et la force du PSVR 2 après, ben, c'est son bon jeu, frère. Là, regarde, ben, on a la mettre Resident Evil 8, Village. Voilà, la bonne bon jeu dessus. Et vu qu'en plus, la PS5 est puissante. Et l'horizon est pas l'intérêt. Voilà, l'horizon, à ce qui paraît, la bonne moule, elle a dit comment elle a testé l'horizon en VR. Et elle a dit comment graphiquement, il fait pète sa tête, ouais, où il est vraiment dedans. Et on n'a plus rien. En fait, là, on te parle de fossé tout à l'heure, comme tu parles de GTA. Le PSVR 1 et le 2, on a vraiment un fossé déjà. Là, les vraiment donc, bon. Le fait qu'il n'y ait pas rétro-compatible, il ne changera pas grand-chose. Alors. Ben, en vrai, les jeux, que l'avait eu sur PS4 n'étaient pas si ouf que ça pour la VR. On avait. Bon, le jeu m'a bien kiffé, c'était Firewall Zero. C'est un petit jeu FPS en fin de compte, hein, mais m'avait le. Là, toujours en plus, l'IM contrôleur, c'est un espèce pistolet en fait. Et le pistolet, en fait, il donne un stylémiation. Et nous l'avait fait un COP 3 joueurs. Donc, on avait 3 gars, on avait un mec 2 gars. Nous l'avait chacun un casse VS, notre case, chacun le IM. Et nous l'a fait un team commun et nous l'a parti à fond de mon en ligne. Bon, au début, on a gagné un petit peu galop, mais après, t'es pas soi. Après, on a gagné en chaîne 2-3 moon. Et là, du coup. Comme il regarde les jeux que je joue le plus souvent en VR, ben c'est les jeux PC en vrai. Donc là, même si les jeux n'est pas compatible, en vrai, il n'est pas si grave que ça, les gars. En vrai, il n'est pas si grave. Il préfère largement jouer à Resident Evil 8 Village là-dessus que Robard, que t'as pas mal le 7 qui serait peut-être pas si bien fait. Ouais. Donc, on va voir le prix. Mais qui n'est pas du tout le prix. Ben le prix sera 500 et quelques. Hein, si on regarde bien. 400. À mon avis, le cas sera minimum. À mon avis, sera soit 499 ou soit 399. Donc là, fais le calcul. Imagine, Ao. Bon, si Bana fait un pack PS5, un manette, un jeu et le casque, va coûter 1000 euros. Va coûter 1000 euros, mais il vaudra son 1000 euros. Parce que là, on n'a que des éléments essentiels pour jouer et des trucs nouveaux. Ouais, il gave pas où avec un casque, avec un télécommande, un truc pour poste d'affaires dessus. Si ben les packs comme ça, les belles. Mais si on doit taper où un pack à 1200 et quelques ou 1300 avec le console, bon jeu, ou l'a déjà fait, ou l'a pas envie, des fois il met deux manettes, un casque, un truc, plus ou achète le casque VR, le complet, il fait à où 2000, environ 2000 euros, mec. Hein. Il fait à où le prix d'un PC game. Enfin, encore, moi, ils me disent 2000 euros. Mais en vrai, pour moins de 2000 euros, vous gagnez un très bon PC gamer. Pour moins de 2000 euros. Donc là, pour 2000 euros, vous récupérez tout ça, les affaires. Donc, mais ça n'a peut-être pas fait la même erreur que la première fois. Mais ça essaye le PSV chez un môme, il pense. Quand le joueur m'aura un PS5 et affaires. Et s'il me voit vraiment, il vaut le coup, là, me va pas dedans. Parce qu'en vrai, la VR avance petit à petit, mais à très petits pas. Ouais, c'est pas comme la Next Gen où ça n'est pas flagrant. Et déjà, les PS Move, il était fait que t'es vraiment restreint. C'est pour ça qu'avant, tu vois des trailers passer. Par exemple, on avait un trailer, il me rappelle. M'avait vu juste le trailer, il m'était collé de cette piègue. Et m'a pas trouvé, m'a essayé après tes bols. C'était Iron Man VR, PS4, quand même. Ouais, attends. Ouais, c'était ça. Ouais, trailer là, quand m'avait vu ça passer,
C'était à l'époque sur PSVR. Mais t'es sûr et certain que c'est pourri. Et comme à essayer, ben t'es pourri. C'est parce que le PS Move, en fin de compte, et le casque avec le fil, il est un peu comme quand j'ai juste téléphone portable. Quand on a juste téléphone portable, là, les bridés de base, parce que téléphone portable, on connaît que... Ouais, on a l'écran, donc le gars quand il crée son jeu, là, ben, il adapte à lui au support. Donc il est forcément bridé par rapport à un jeu manette. Et là, le PSVR, t'es pareil. Où t'es sans que les jeux t'aient fait pour la PSVR, du coup, t'es bridé à mort. Et là, tu vois ça comme à l'écran. Mais quand le casque de cette tête-là, elle est plus dégueulasse que ça, hein, franchement. Et quand on est dans les airs ou volant Iron Man, l'immersion. Si c'était la première fois où il testait un casque VR, on aurait un petit effet waouh. Mais si vous voulez un peu habitué, le gars est content dans le pub, mais il est pas comment en vrai, les gars. C'est pas ça du tout, gars. Rien à voir. Rien à voir. Donc, ben, voilà, on voit ça comment. Et enfin, là, en vrai, le trailer, il hype un peu trop. Mais c'est pas ça du tout. Mais voilà, donc la plupart des gens qui suivent vraiment la VR, bah là va dire, oh, pour l'instant, la meilleure VR, c'est sur PC. Là encore, on a un cas à sortir, appelé le Pico. Le train, là, je sais pas combien de vues en plus. A eu 1 million de vues. C'est le concurrent, je pense, de Quest. Hein. Qui passe dans le trailer. À où ça, à où pense ça prend le casse VR dessus PS5 ou Manu? Eh, ah, moi, je connais pas. Franchement, moi, jamais été fan. Moi, jamais eu de casque VR. Donc. Et en fait, comme il dit, jamais cinéma là-bas, je vais regarder un film. Si, mais j'ai essayé. Mais m'avait essayé une fois le PS, la première PSVR, m'a essayé une fois. Mais quand dire moi cinéma, par exemple, allons regarder un film en 3D avec le casque ou lunettes ou le bordel là. T'es non, mais pas, mais n'a point encore de film, n'a point encore de film. Ouais, ouais, non, mais c'est le fait. Mais connais, si mon film 3D me parle moi là, ouais, dire, mais c'est pas vraiment, mais c'est pas vraiment 3D ouais. En mode de voilà. En mode VR. Mais tiens, mais trouve pas le trailer. Mais je sais pas pourquoi, mais non, en vrai, la manière, il y a peut-être les gars là tester le PSVR2. Mais en vrai là, c'est ça les bien, c'est que banal con. Pour moi le PSVR1 c'était vraiment un test, un cobaye frère. Banal la test ça un peu pour voir comment il est et mais pense que en vrai la capacité sera chouette. Niveau technique, les bons, parce que ben, il adapte à ce qu'il fait sur PC. Après, c'est les jeux. En vrai, ce qui manque au PSVR, ce qui manque à la VR, c'est des vrais jeux avec des vraies licences. Resident Evil, il a fait le premier pas avec le 6 et le 7. Ça peut-être spoil de mouner avec ça, là, mais... Alors, moi, je me rappelle, le jeu l'avait marqué à moi sur PC. Ah ouais, là, c'est le jeu carrément, frère. On va mettre ça, ouais. C'était Half-Life Alyx. Ok, parce que tu connais un peu la licence Half-Life. Half-Life, ouais. Et en fait, le Alyx, c'était sur le Quest m'avait joué ça, je crois. Et mais ça raconte, c'est un truc la marque. À moi, en plus, ça, les rats, je pense que de tout, on a bon jeu la marque à nous. Et à moi, on a un truc la marque. À moi, dans le. Attends, mais c'est mal le trailer. Half-Life, du coup, parce que bien, pourquoi Half-Life? Attends. Half-Life Alyx. Voilà, peut-être ça. Bon, Dieu, pas longtemps, mais voilà, c'est en boucle. Et en fait, à un moment dans le jeu-là, déjà, le truc est très intuitif. Avec déjà, on a vraiment le côté immersion. L'ambiance est très bien faite dedans. Genre, à un bon moment, elle est très pesante. On sent vraiment que notre est plane. Et que, genre, une mauvaise situation, c'est arrivé, quoi. Et quand on a bonne flingue à terre, par exemple, on met toute main comme. Ouais, un peu comme Star Wars avec la Force. On met toute main comme ça, en fait, et le pistolet vient de main. Donc, il est très intuitif, en fait, on a vraiment l'impression que, comme si on a vraiment la force dans Star Wars, on met toute main comme ça, le pistolet arrive de toute main, ou charge, ou tire, manœuvre comme ça. Et moi, dans la phase dans ce jeu-là, la mettre à main, c'était un petit peu après le début. J'en ai à l'endroit, mais arrive dans le. Ma fille, tu es bonne boss tout le temps, mais avance à un moment à l'endroit, et il me voit une espèce de trou dans le mur. C'est comme à l'entrée. Et en vrai, il arrive devant, et m'a pas envie d'aller dedans, hein. Mais pour de vrai, hein. Mais Zamaté, pareil, mais ça permet bien, en fin de compte, hein. M'a pas envie d'aller là-dedans, m'a pas envie d'essayer. Et en fait, mais ça va dedans, et le son, le visuel, le décor, il était tellement pesant et bien fait. C'est pas un jeu d'horreur, ça, les gars. C'est un FPS. Hein. Comme à la ronde, le sale gars, mais je me commence à transpirer, m'avait bonne sueur. Et m'avait. À chaque fois, fait un pas. En fait, courant de le train, on voit une espèce de grand couloir. Pareil, on a la bonne truc de monstre, un peu collé partout. Et on voit au fond, on a comme un cadavre avec un lambda à main. Et il faut faire le trajet jusqu'à là pour trapper. À chaque fois, il marche pour avancer jusqu'à là-bas. Mais gars, m'avait frisson, gars. Mais sans mon corps, mon cerveau était trompé à mort, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est passé dans la vue, là, passage, là. Il vient de monter un gars avec son main en l'air, là. Ah, ça, c'est passage, là.
putain, il n'y arrive pas à voir le voilà, passage là. Et en fait, quand on est à l'entrée de ça, on est très très loin dedans. Et quand on voit ça de loin, il faut arriver pour trapper la lampe de poche. Et j'en mets avance doucement comme et la point, enfin, on sent un bruit, une affaire. Et mais t'es pas bien du tout en fait, comme t'es pour jouer. Et jusqu'où comment on trappe le lampe, on a tout bonnement, si arrive, et on va y avoir, bah c'est bonnement sa taille, ouais, mais tout bonnement, si arrive, ça tue. Il faut ou tuer bonne avec le bon flingue, et puis en mode John Wick. Et me rappelle, après passage là, comme elle a ressort de le truc, gamme, elle enlève le casque, mais t'es transpire, elle avait bonne sueur. Et parmi tes trois mois, il m'avait frisson partout dans mon corps. C'est la première fois que tu joues à un jeu en VR où ça a été trop mon cerveau à moi, comment. Et où ça m'avait vraiment l'impression que j'étais dans les affaires, en fait, compte. Et ça, c'est un truc la marque, hein, maintenant, je l'ai. Et il y a sûrement d'autres jeux VR aussi que ma page, qui est aussi bien fait que ça. Mais ça, c'est un truc, ça passe dans mon tête. Quand on joue un jeu, par exemple, et c'est pas un jeu d'horreur, je me rappelle, hein, c'est un FPS. Hein. Quand on joue, par exemple, un jeu d'horreur où les dés sont à l'écran, par exemple, je reste dans tes villes. Il peut faire ses IAO. Mais ouais, par exemple, le Resident Evil, le 7, comme avait joué sans. Avec le PS, c'était même pas avec le PSVR, mais ça c'était sur PC, c'est PSVR même. C'était avec le PSVR même. Et en fait, là, le petit bout, tu vois sur le deuxième image, le petit bout de la lunette là. Tous les Resident Evil, vous êtes collés là, ça dedans. On a à un moment donné, on en a un fusil accroché sur le mur, il faut taper le fusil en fait. Mais arrive un passage comment? Et en fait, dès que je m'arrive devant, la porte il ferme. Et en fait, le bouglali débarque et il poursuit dans la case. Mais comme tu poursuis en haut, il poursuit en haut. Donc, il échappe les bas, il est barré. À un moment donné, il me monte à l'étage et il arrive à côté la salle de bain. Donc, il marche comment? Donc là, on est dans le jeu, il me rappelle. Il faut vraiment mettre des têtes que vous allez dans le jeu. Donc, on retourne tête comment? On voit le mieux devant haut, qu'on regarde en l'air, on voit le plafond. Là, on est dans le jeu, en fait. On n'est plus de cases. On n'est plus de cases, là. Et genre, il rentre dans la salle de bain comment? La moukate là, elle était cachée dans le coin de la porte. Donc, dès que m'a rentré, il attrape mon collier, comment il lève à mon collier, il y a repoussé en moi, mais sur le coup, il a saisi en moi. Bon, on va pas crier rien, mais il saisit à offrir. Parce que là, on est dedans, et où c'est à vos poulies là, c'est comme si elle me trappait vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, on voit, là, ça même, c'est pas ça, genre. Pourquoi c'est ça même? Il vient de monter dans la vidéo, c'est pas ça, genre. Et quand première fois, peut-être, ça fait un gars, il fait bloc ou tête. Donc, en fait, moi, c'est ça, mes kills d'AV, c'est qu'il a des sensations de jeu. On peut pas avoir en fait, on peut pas avoir avec un manette derrière l'écran. C'est ça me trouve les chouettes dans les jeux VR. Après, il y a d'autres trucs qui sont chouettes aussi, ouais, avec la VR, mais dans les jeux vidéo en tout cas, moi je pense que c'est ça, il peut être un atout pour Sony. Parce que Sony, c'est le seul label là-dedans. Nintendo, il fait pas ça, lui. Xbox, fait pas ça. Bon, on a Apple, ça lance Ali aussi avec son truc là. On a les casques PC et tout ça. Mais si Sony réussit vraiment à faire des bons jeux triple A avec des grosses licences et qui exploite vraiment le PSVR 2, il peut vraiment être un truc qui marche bien. En fait, tout il dépend des jeux, les gars. C'est ça va faire le succès du PSVR. Et là, après, si de monde après commence à acheter, ben elle est partie, ouais. Le travail est mode et tout le monde va roder. Après, ce serait top. Imagine à OMG Call of Duty. Imagine à ouler ton case, on a le PSVR sous tête, avec un genre de pistolet d'autre main, et là où il est dans le Call of Duty carrément, et où lui comme un gars serait pas en forme, sera en forme sérieux, hein. Il serait donc, belle, ben, nous, c'est ce que nous l'a déjà fait avec Firewall. Mais quoi, on a encore le vidéo sur la chaîne YouTube, il doit traîner dans un vieux playlist, mais qui est plus. Mais c'est ça, il faut Sony faire en fait. Et il pense que lui l'a compris, parce que vu qu'on voit les caractéristiques du PSVR 2, on comprend que, ben voilà, il a compris c'est quoi, t'es pas bon avec le 1. Le tacon de fil en vrai, hein, mais je veux dire, le PSVR 1, on avait un boîtier. Le boîtier, on avait le HDMI, t'es rebas sur le console. Le HDMI, t'es rebas sur le télé. On avait 3-4 fils, t'es bas. Franchement, quand ton salon, tu ne ressembles plus rien. Moi, si on a un mot nouveau de salon, les clean, ou cachet de fil, il est impossible avec le PSVR. On a toute fil des boards, comment le casque en plus qu'on met sous tête au début il est bon, mais à un moment donné où sans il chauffe un peu, où sans vraiment qu'il n'est pas encore bien étudié les affaires. Et voilà, donc là en vrai mon PSVR il dort mon casque. La fin d'arrivée m'utilise Ali quand on nous fait bonne partie en bonne soirée un peu en multi, ouais, genre comme la pointe 3 télé. Quand il manque un télé en fait, des fois on fait un télé chacun et chacun met le console devant. Ben, il me dit ben, prends le PSVR ou fais comme un télé avec. Mais ça fatigue un peu les yeux aussi par rapport à la résolution. Mais voilà, moi c'est les jeux vraiment qui va faire acheter à moi le PSVR 2, je pense. Si vraiment, ouais. Alors si Banaï fait PSVR 2 compatible avec les jeux PC, là par contre, là serait belle vraiment. Parce que là, on aura accès au catalogue des nouveaux jeux PlayStation, plus tous les jeux qu'on a déjà sur PC. Et là, il peut être très très intéressant. Parce qu'il veut dire que vous en aurez un seul casque qui pourrait avoir accès à tout ça. Et mais pense pas que les jeux PlayStation VR
sera sur PC. Enfin, peut-être, hein, vu que Resident Evil là, avait déjà été le cas. Mais enfin, voilà. Mais, en tout cas, c'est ça de loin. Va voir. On verra. De toute façon, je pense qu'il m'attend le bon retour. Déjà, regarde, au niveau du prix, attendre le retour vraiment, mon jeu, comment il est dessus. Voir vraiment, je ressens vraiment une sensation, une différence. C'est tout qu'à nous, la Réunion, d'allons. Nous, la Réunion, comme Oui. ça. La Réunion, on connaît comment il est. Il monte à moins un prix, mais la Ah. Réunion, ça paye plus cher. Là, déjà, le PlayStation même de base, le PlayStation 5 de base, il coûte plus cher à la Réunion. Et là, Sony, il avait dit comme ça que les PlayStation maintenant, c'est 50 euros en plus pour amortir Malgré la le. chance, comme il dit pour la mienne, mais t'es Pour de justesse de prendre. la paye, ah, ou la pour l'acheter qu'on avait encore bonne pack 500 À moi, euros, fin de non? compte, on m'a gagné, m'avait pris la mienne, mais par contre, moi, j'étais obligé de prendre une manette avec. La manette? Donc, ouais, elle avait une deuxième manette en fin de compte. Ben, En fin de par compte, contre, c'est le début d'un mini-pack en fait. maman m'avait même vu un pack un jour, elle a fait plein la main, ouais. C'était un pack PlayStation, mais je l'ai vrai, les gars, un pack PlayStation 5 avec trois manettes. Alors, moi, me Aïe. pose la question, moi, me pose la question. Quand on lit tout seul, il se passe comment qu'on a trois manettes? Justement. Soudain, une manette, il pète. Soudain, une manette, il pète. Vous avez un autre, mes gars, pour que trois manettes, toutes cases, Le frère. pire, c'est que moi, Mina, il marche plus déjà. A trouvé Donc. Black. Elle a trouvé les deux Black. Alors, elle voit, Natsuki a dit un truc. Les escape rooms aussi utilisés à VR, c'est vraiment sympa. Alors, ça, c'est vrai qu'on a beaucoup ça en métropole et dans d'autres pays. Ici, à La Réunion, nous en a des structures. On a Paradox, VR Paradox, VR Family, enfin, VR Family Arena. C'est des centres où ça, on a là des expériences en réalité virtuelle. Bah, là, t'es geek allé d'ailleurs. Mais les escape rooms en VR, mais qu'on n'est pas ça à La Réunion. Et ça, en vrai, pour être chouette, vraiment. Parce que là, où on est vraiment immergé dans le truc. Vous faites ça qu'à Dallon, c'est un bébête l'expérience. Ça, en vrai, si y a ça à la Réunion, on dirait que vous avez testé, hein, obligé. Mais ne me crois pas à ça ici. Quand tu es Ouais. seul, tu revends les trois. Mais là, bah, tu gardes une manette, tu revends pas les trois. Hein. Tu gardes une pour toi. Ouais, il commence à avoir un petit coup quand même à jouer. Hein. C'est un petit produit de luxe maintenant, le jeu vidéo. Hein, faut dire. Hein. Bon, ben voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur PSVR2, en tout cas, et sur la VR en général. Ben, peut-être que mon PSVR, ça finit sur le bon coin, vu qu'il dort. On est peut-être mis pour se revendre avant le PSVR 2 il sorte, parce qu'après le prix va trop chuter. Et ben voilà. Donc, qu'il a fini d'arriver là, Manu, Tony Fine Barré, Ouais. là, les 8h. On a commencé 6h, non? Ah, Ouais. écoute, 6h30, non? Donc là, il fait 1h30 de cause. Est-ce que toi aussi, il y a volé sec, Manu? Ouais, sacrément. Finit toute la paix. La cause, hein, non, La mais t'es chouette. main pressée, la pigée, puis rien. Faut attendre une semaine pour regarder si notre idée revient. Ouais, non, mais les belles là, mais je pense que ça, les formats comme ça, ce que les chouettes là, c'est qu'en plus, on n'a même pas un montage pour faire, mais je pense que ça, mais ça met Ouais, sur les direct tables. le. Alors, en fait, ça, faut pas nous faire tout le temps. Il Une faut. fois par mois, je sais pas, ou qu'on a Voilà, des. un truc comme ça, en fin de compte, peut-être tous les 15 jours, ou voir à Ouais, peu qu'on près a. l'actualité, Qu'on comment a il là. tourne, en fin de On a compte. des. Parce qu'en vrai, là, nous parlons sur les jeux. Là, nous, on a fait plein de sujets différents. Parce que là, ça, t'as un Et après, peu on tout a d'autres mis. sujets aussi. Voilà. Des fois, on a des sujets, c'est pas forcément des jeux. Des fois, c'est sur des jeux. Des fois, c'est sur l'actualité en lui-même. Des fois, c'est sur un truc précis. Comme avant. Avant, on avait plein de débats sur les lootbox, les DLC, tout ça. Des trucs sur les jeux de combat. On a plein. En vrai, dans le jeu vidéo, on a plein de sujets à faire. La dernière fois, on a fait un débat comme ça. Ou t'es pas là-haut. Si, t'es là-haut. C'est sur Dragon Ball Z. Bah même pourquoi remettre le VOD en plus. Non, mais quand la VVG j'étais là, il avait où? C'est là, Ça même, on avait fait sur Dragon Ball Z parce que moi, on avait vu un peu l'évolution de Dragon Ball Z et DBS et tout ce que là, tout, comment elle a changé. On avait pu refaire des petites émissions comme ça entre nous. Et ouais, faudrait refaire en vrai. Hein. Faudrait nous rouler avec d'autres communs et peut-être Ral d'autres Moon aussi en guest. Là, c'est la première fois que j'ai fait un test de live avec trois caméras. En général, avec un invité, il ne fait que deux. Donc là, elle avait passé en tout cas. Des fois, je pense le son de Anthony, des fois, t'es saccadé un petit peu. T'entends des fois sur bonne phrase, t'es sotte. Mais t'es quand même un peu audible. Donc, on va peut-être essayer 4 la prochaine fois. On va voir s'il tient. Il va essayer de faire un nouvel exprès pour ça. Et puis, ben, notre site TPMP, Créoli, ActuJV. Il peut être pas mauvais en fait. Ouais, il fait bon petit débat. Ouais. Après, on peut clasher un peu aussi. Pas de dispute, ouais, tu vois, de la bonne humeur. Mais tu peux clasher un peu sur. Pas mal, on a peut-être un sujet où ça elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. Et puis, nous fait deux clans, ouais. Donc voilà. Quand même serait top. Très top, mais il faut le sujet. Il faut le sujet en Oui, fait. après il faut le sujet, ben ça. Le sujet, mais là, ça va, on arrive quand même à parler de Bon. beaucoup de choses là. Faut préparer en amont. Et en vrai, les belles formats là, parce que comparé aux émissions d'avant,
N'a pas en vrai trop d'organisation à faire. Parce que nous, quand je suis l'actu, en fait, nous regardons. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est le même truc qui est déjà se passé. Donc, mais je trouve que c'est un bon format aussi. Donc, peut-être que tu vas regarder ça. Et voilà, en espérant que. De toute façon, l'actu jeu vidéo, c'est un truc qui tous les jours, on a fait. Donc, au pire, nous garde l'actu. Au pire, nous garde l'actu en direct. Hein, et puis, nous commence à causer. Bah, ça va tout seul. Hein. Bah oui, voilà. Voilà, bah comme il a sur le petit mot de la fin avant de conclure, je pense que ça va pas. Moi, je me connais quand le cerveau est vite, faut pas pousser trop, sinon le vidéo après il devient n'importe quoi. Ah bah, moi, bon, on me dit saucisse, poivre et friteur. On va arriver. des quicos commande pizza. Là, oui. Ça va pas grave, ça fait gris. En plus, c'est belle parce que nous, quand tu vidéo, mais en plus en mode créole, en mode 974, il fait plein. C'est chouette. Ah, bon. Bon, t'es chouette. Bah, prochaine fois, nous remettre ça. Prochaine fois, nous remettre ça. Mais je pense qu'il y a peut-être. Après, là, le fait qu'on fait des tests comme ça, après, nous essayons d'affiner de faire mieux. Mais après, peut-être plus tard. Après, est-ce que les possibles font ça, mais en jeu. En jeu aussi, d'être pas mal. Ah, nous jouer en même temps mm. Ouais. Ben, déjà, mettre, mettre les overlays, les cams. Mais les mêmes déjà possibles, parce que regarde, il suffit d'un moon jack par sec. Amico n'est pas si passe le parasec plus les caméras par contre, mais il a peut-être manière de récupérer un flux de quelque chose en fait, ouais, d'un écran ou d'un truc, et puis nous cause dessus, ouais. Ou même pendant les conférences aussi, ils peuvent ça. Si nous regardons les conférences en direct, après il fait peu les conférences, des fois il saccade, ouais, des fois la connexion il plane un peu. Ah oui, c'est pour le coup. Nous va creuser un peu, nous va creuser un petit concept là, et nous va essayer de faire d'autres trucs comme ça. Peut-être pas forcément sur jeux vidéo, ouais, peut-être sur manga ou autre. Oui, mais, c'est tout. Actualité numérique. Je trouve ça cool. En vrai, le top, ce serait ça. C'est que dans la semaine, nous t'ai fait un petit live comme ça, discussion. Un petit live gaming solo et un petit live gaming multi. Et là, le bon. On a trois lives différents par semaine. Ce serait top. Voilà, bon, Manu, allez, gâte saucisse frites là. Ouais. Daté. Je n'ai pas que ça à manger, mais. Saucisse frites, donne pas. Et c'était pas à mettre l'œil de la réunion aussi. Pourquoi mettre le à la réunion, on n'a pas le lieu. Il n'affiche pas le lieu, moi, dessus, le truc. Là, on prépare un autre truc aussi, du coup. Là, nous, en fait, en interne, comme des fois, nous cause, nous, en train de préparer un genre de calendrier, d'agenda, que nous va peut-être mettre dans le groupe. Sera toujours à la une du groupe, sera visible. Et du coup, ça, tu verras aussi, ben, c'est quoi les prévus de la semaine, sur quel jeu nous live, sur quel, ce que nous fait l'émission ou pas. On va essayer de mettre ça en place, comme ça, sera un petit peu plus clair aussi. Ouais. Voilà. Allez, Manu. Voilà, on me check ça, moi. Pense à nous, comment ceci suite et on se retrouve pour un prochain live. Allez, merci, le chat. On a trouvé les amis. Bonne soirée à tous.